Donc vous êtes tous les trois, tous les quatre avec Andrew, assis au premier rang pour assister à ce concert de l'orchestre de l'université. Oswald, toi tu étais arrivé en quatrième vitesse juste au moment où les portes se refermaient. T'as pu y rentrer in extremis. Quand tu t'es installé avec eux, par contre tu n'avais pas eu le temps de partager tes découvertes dans les écrits de Ponape que tu as lu à la bibliothèque, puisque à peine t'es arrivé, tu les as salués, t'as à peine eu le temps de poser tes fesses sur le siège que la lumière diminuait et que le chef d'orchestre commençait déjà à lancer les premières notes. Donc pendant plusieurs minutes vont s'enchaîner des morceaux classiques, d'autres un petit peu moins. Certains morceaux qui vont être avec l'orchestre complet, d'autres ce sera juste avec il y aura juste un ou une musicienne qui sera mise en avant. Et le niveau est plus que correct puisque ne participent que les musiciens du conservatoire, donc qui ont déjà un certain niveau. Même s'il y a eu un ou deux moments, il y a eu des morceaux qui n'ont été joués que par des gens de niveau un peu inférieur. Voilà, pour quelqu'un qui a une bonne oreille musicale, ça s'entend, mais dans l'ensemble, c'est plutôt écoutable. Il n'y a pas eu de violoniste qui a fait grincer son violon de façon horripilante. c'est plutôt agréable. Dans la salle, je vous avais dit qu'il y avait pas mal de monde, plusieurs dizaines de personnes. C'est plutôt bien accueilli par tout le monde. Sachant que vous étiez là pour essayer de retrouver la fameuse admiratrice mystérieuse d'Andrew. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous vous comportez pendant ce récital? Donc moi je suis pas du tout focalisé sur le récital. Et je regarde à droite, à gauche. J'essaie de repérer une personne qui aurait un regard plutôt de sexe féminin, qui aurait un regard insistant sur Andrew. D'accord. Werner et Emily, est-ce que vous faites quelque chose de particulier ou... En fait, à un moment, je suis désolé, je recorrige juste une petite chose. En fait, je regarde les 5 premières minutes du récital, et à un moment, je me lève, et je fais mine de partir. Donc je préviens, je ne sais pas qui est assis à côté de moi, soit Emily, soit Werner, je leur dis juste « je reviens ». Et je fais comme si je partais, et en fait j'essaie de monter à l'étage, il doit y avoir un balcon ou quelque chose comme ça pour avoir une vue d'ensemble de la salle d'orchestre, enfin de la fosse. Oui, de ce que tu as vu apparemment, les places dans la grande salle qui sont accessibles, il n'y a personne au balcon. Eh ben écoute, je vais aller sur les balcons, discrètement. D'accord. Pour avoir une vue d'ensemble et bien voir ce qui se passe. D'accord. Werner, tu fais quelque chose de particulier, toi ? Moi, j'observe si quelqu'un observe dans une direction, donc je regarde en 360 degrés, quoi, un peu partout. D'accord, donc tu te retournes assez régulièrement. Voilà, pour voir si quelqu'un regardait dans notre direction au lieu de regarder en direction de l'orchestre. D'accord. Et Emily, est-ce que tu fais quelque chose, toi ? Moi, je regarde l'orchestre. Quand je reste attentive à l'odeur de la lavande, de voir si je perçois cette odeur. Voilà. D'accord, très bien. Eh bien des fois que la personne je sais comment la personne veut prendre contact avec Andrew, mais je vais pas quitter Andrew de tout le récital, quoi. D'accord, très bien.
Écoutez, vous allez pouvoir tous me faire un test de trouver objet caché. Vous allez pouvoir me faire ça en majeur. Oswald, toi, tu as réussi à accéder au fond de la pièce. Il y avait une porte que tu sais menait au balcon. C'était pas verrouillé. Il y Ah, avait personne qui faisait. excusez-moi. Vas-y, tu peux relancer ton jet. Il y avait personne qui surveillait l'entrée, quoi que ce soit, donc tu as pu te faufiler et aller au balcon, qui est totalement vide. Mais du coup, je bénéficie d'une vue plongeante et j'en profite pour scruter la salle. Donc tu veux un jet de trouver objet caché. C'est ça. Pendant ce temps-là, j'efface tous les personnages que tu as créés dans le. Oui, c'est ça. Mea culpa. Très bien, bah écoutez, aucun d'entre vous ne remarque quoi que ce soit de ni d'odeur particulière, ni Pas de d'odeur de personne. lavande. Non. Ni de personnes qui regardent avec Et insistance. Oswald, il n'a pas le Ouais. droit de dépenser des points de chance, par exemple? Ah bah oui, si, si, il y a les points de. Ah bah je veux bien, oui. Avec plaisir. S'il t'en reste assez. Bah c'est ce que je regarde en fait depuis tout à l'heure. Oui, il m'en reste. Ah oui, tu peux. Tu peux dépenser des points de chance. Donc j'en ai 12 à dépenser, c'est ça? Ok, bah je les dépense. Ok. Écoute, tu étais toi à l'étage avec effectivement une vue plongeante et sur la salle et sur l'orchestre. Tu remarques qu'il y a une jeune femme qui est sur la scène parmi les musiciens, une violoniste qui, tu t'as remarqué au début, tu pensais que c'était juste, voilà, parce qu'elle bougeait un peu en jouant, mais très vite tu te rends compte que deux, trois, quatre, cinq fois, quand elle joue, alors que toutes les violonistes sont bien tournées vers le chef d'orchestre. T'as pu remarquer que elle était légèrement décalée et qu'elle lançait des regards vers le premier rang. J'ai un frisson qui me parcourt l'échine. Je la scrute encore quelques secondes pour imprégner les traits de son visage. Je redescends et je m'arrange pour discrètement, je connais les lieux pour ressortir du bâtiment et aller en coulisses, D'accord. dans les backstage. Très bien. La jeune fille, de ce que tu peux voir de là où tu es, Je lui donne quel âge, la couleur de ses cheveux, les lèvres lipues, les traits plutôt fins. Vas-y, dis-moi à quoi elle ressemble. de là où tu l'observes, plutôt jolie. Châtain avec des cheveux qui lui tombent à peine aux épaules et avec une espèce de avec une robe à fleurs. Et effectivement, c'est alors t'as pu observer ça quand même pas mal de pendant plusieurs minutes hein, parce qu'au début t'as vu ça, bon ça t'a pris c'est au bout de la troisième ou quatrième fois qu'elle t'as vu ça ou t'as persisté et le récital, on va dire que il s'est passé quand même une bonne grosse demi-heure. T'as même pu voir qu'il y a certains moments où elle ne jouait pas, puisque il n'y avait pas de violon dans le morceau, ou alors elle ne jouait pas à ce moment-là. T'as pu remarquer aussi qu'elle lançait des regards vers le premier rang. Donc c'est, voilà, t'as vu ça pour une bonne Enfin, le dizaine de fois regard pendant la demi-heure. vers le premier rang dans la direction d'Andrew. Oui, Je t'as pu regardais, repérer que regardez c'était pas le un. premier Oui, rang à c'est l'opposé ça. d'Andrew. Ok. C'est ça. Donc voilà,
t'as bien l'impression que voilà. C'est une piste. Donc voilà. je m'empresse de. Je sais que ça devait certainement être écrit sur le récital. Sur le programme, pardon, le récital était peut-être en trois parties, une première de 30 minutes, une pause de 10 minutes, une deuxième. Voilà, du coup, je pense à ça pour savoir quand aller dans les backstage, dans les coulisses. J'attends vraiment que la nouvelle partie du récital vienne commencer pour y aller et être tranquille. Bah, juste pile au moment où toi tu te dis, voilà. Tu te dis, non, c'est pas une coïncidence, faut que je trouve un moyen de descendre dans les backstage. C'est pile au moment où le morceau s'est terminé, les lumières se rallument et que le chef d'orchestre, en se tournant vers l'assistance, déclare qu'il va y avoir un entracte de 10 minutes, un quart d'heure, et que le concert reprendra juste après. Donc je redescends, je vais m'asseoir. J'étais à côté, en premier rang, j'étais assis à côté de qui ? D'Emily ou Werner ? À une de me dire. T'as chuchoté à l'oreille de Werner la dernière fois, donc tu étais à côté de lui. Alors du coup, je me rassois à côté de Werner et je lui chuchote dans l'oreille. Je suis monté au balcon. J'ai remarqué que la cinquième violoniste du deuxième rang en partant de la droite, scrutait, ne regardait pas le chef d'orchestre, mais scrutait clairement Andrew, parfois avec un peu d'insistance. J'ai oublié aussi un tout petit détail. Je disais qu'elle avait une robe à fleurs. Et la robe est principale. Enfin, la couleur principale, c'est quand même le violet. D'accord. Et donc, sa robe à fleurs est violette. L'entracte dure 10 ou 15 minutes. Je vais essayer d'aller farfouiller dans les coulisses dès que le concerto reprendra. D'accord. Moi, en tout cas, moi, je reste à côté d'Andrew et je fais part de ces informations. Si Emily est à ma droite, voilà. En redisant exactement ce qu'il vient de me dire à l'instant. Donc, vu que là, dans la salle, ça doit se lever un petit peu, vu que c'est le tract, j'en profite pour me lever. Je me dirige vers la porte et je commence à contourner le bâtiment pour voir où est la porte des coulisses. D'accord, oui. Moi, je reste près dans le en tout cas. Lui, il a. Je lâche pas. Andrew, alors que c'est l'entracte, il se lève, il va, pour se dégourdir un peu les jambes, il reste à côté de vous. Mais vous voyez qu'en fait, il se met un peu à scruter on va dire, il a, comme s'il avait ciblé toutes les jeunes femmes de 18 à 25 ans qui pourraient se trouver dans la salle. Et voilà, il leur jette des coups d'œil des coups d'œil interrogateurs à la recherche de cette fameuse fan groupie. Et écoutez, si vous ne faites rien de plus que de rester avec Andrew. À observer un petit peu tout autour. Alors, sachant que les musiciens sont retournés en coulisses, mais ne sont pas venus se mêler à la foule, au public pour l'instant. Et au bout d'une dizaine de minutes, le chef d'orchestre va revenir, les musiciens se réinstaller. Et le concert va reprendre. Du côté d'Oswald, toi, tu attendais que les musiciens soient retournés sur scène pour rentrer, c'est ça ? Oui, voilà, exactement. Pour rentrer, mais par la porte des coulisses. Oui, ouais, ouais. J'attends que les musiciens rentrent sur scène pour rentrer dans les coulisses. D'accord. Et ton but, c'est que ça va être quoi dans les coulisses ? D'aller farfouiller dans les affaires des musiciens. D'accord. Alors, quand tu rentres là-dedans, tu te rends compte assez rapidement que les coulisses ne sont pas totalement vides. Il y a quelques techniciens qui sont là.
puisque il y a tout un jeu d'éclairage qui va éclairer quand il y a des solos, des trucs comme ça, qui va éclairer seulement certains musiciens. Donc voilà, t'es pas totalement seul là-dedans. Et surtout il y a une grande salle où tout le monde range, enfin il y a plein d'étuis d'instruments de musique un peu partout. Je suppose que c'est là que tu veux aller fouiller. Ouais, exactement. Là où ils arrivent, où ils se changent, ils posent l'étui de leurs instruments, ils posent certainement leur manteau, leur sac, ils se mettent à l'aise et après ils prennent leur instrument, ils vont sur scène. Donc là où ils D'accord. procèdent, voilà, je vais aller à cet endroit-là. Et je cherche plus précisément des affaires qui seront à côté d'un étui de violon et je cherche toutes les affaires qui sont je fouille dans les affaires qui sont à proximité d'étuis de violon. D'accord. Et ben écoute, je vais te demander deux petites choses. Enfin non, je vais te demander une chose. Un petit jet de discrétion. Oui, ça c'est Oswald Discrétion Porteur, on me surnommait au lycée. C'est où? Ah! Oui, je vois que c'est ton. Ouais, pas tant que ça en fait. Hein. Tu excelles dans ce domaine. Bien sûr. Oh. Ah, et tu réussis en plus, joli. Tu réussis à te glisser dans la salle, à aller farfouiller justement tous les instruments. Bon, pour fouiller les instruments, je ne te fais pas faire de test pour ça, puisque tu découvres, il y a un des, comment dire, Des étuis. un des étuis, voilà. Quand tu l'ouvres, l'étui qui devrait être vide, quand tu l'ouvres, en fait, il y a une bouteille. Une bouteille de champagne. Il y a deux verres. Et aussi posée juste à côté, une boîte, apparemment une boîte de chocolat. Apparemment, j'essaie d'ouvrir délicatement la boîte de chocolat, Ah, elle est voir toute si. enrubannée. Mais c'est ça, je referai bien le nœud du ruban. On n'y verra rien. Ben oui, quand tu réussis, tu finis par tu réussis à l'ouvrir, c'est bel et bien une boîte de chocolat. Bon, je les sens un peu, il n'y a pas une odeur particulière, ça sent bien le chocolat. Ça sent bien le chocolat. Par contre, ouais, c'est vrai qu'il y a une odeur assez prenante au niveau de l'étui à violon. Et tu sens, ouais, une odeur un peu florale. D'accord. Une odeur de lavande. Ouais. Parce que c'est quand même très atypique, enfin c'est très particulier comme odeur. D'accord. Je cherche dans le blouson qu'il y a le manteau ou la cape ou voilà, je sais pas comment est habillée cette jeune femme, la plus proche. Je veux une identité. Il y avait un manteau juste à côté. Eh bien, je regarde, je cherche un portefeuille. Tu trouves des papiers, une carte de la bibliothèque de Miskatonic, D'accord. au nom de Jennifer Hammond. Amande. Oui. D'accord. Quel âge et est-ce qu'il y a son adresse? Alors, le 22 ans et apparemment elle est logée dans un logement universitaire sur le campus. D'accord. Est-ce que je trouve autre chose? Bah, après, il y a un petit porte-monnaie avec un petit peu d'argent dedans. Bah, je me sers. Non, je rigole. D'accord, pas de lettres, pas Non. de. D'accord. Non, Ok, rien du tout. donc je prends toutes ces informations-là et je retourne m'asseoir à côté de Werner. D'accord. Je lui fais part de tout ce que j'ai trouvé. Alors, juste avant, Werner et Emily, après ce que vous a rapporté Oswald tout à l'heure, je suppose que votre attention s'est tournée un peu plus vers cette cinquième violoniste du deuxième Tout rang, à au fond fait. de la droite. Et
non seulement là, vous avez vu que oui, effectivement, elle jetait des regards dans votre direction. Mais c'est surtout que Emily, à un moment donné, son regard s'est accroisé le tien. Savoir que vu que Werner était assis, Emily, toi, t'étais à côté, donc je suppose que Andrew se trouvait juste à côté de toi. Oui. Et en fait, à un moment, vos regards se sont croisés et ouais, elle avait un regard un peu pas content. Et d'ailleurs, elle a tout de suite, elle t'a jeté un sale regard et elle a tout de suite détourné les yeux et pendant plusieurs minutes. Ça se voit à l'observer, t'as pu voir qu'elle, en fait, elle faisait vraiment bien attention à ne pas reposer les yeux sur Andrew, ce qu'elle n'a pas réussi à faire jusqu'au bout du récital, puisque au bout de 10 minutes, elle a recommencé à rejeter des regards dans sa direction, tout en évitant totalement de croiser le tien. Et c'est là que Oswald est revenu se rasseoir à côté de vous. Donc je te laisse Oswald pour... j'ai réussi à accéder aux coulisses et donc elle s'appelle Miss Hammond et elle est sur le campus, j'ai l'adresse, donc je lui fais part de l'adresse. Je fais part de l'adresse à Werner. C'est une de mes étudiantes Non, le nom ne te dit rien du tout. Et Émilie, ce nom-là ne te dit rien non plus. Je suppose que tu partages aussi ça avec Andrew, qui, c'est pareil. Je vous dis, je ne connais aucune. Oui, bon. Aucune amende. Oui, et je la montre. Du coup, je montre à Andrew, je lui dis la violoniste en robe lavande. Bah, il cherche, il regarde dans cette direction-là. Au moment où toi, tu lui dis ça et que Andrew la regarde, leurs regards se croisent et tout de suite, la violoniste, en fait, le baisse la tête à tel point que ça lui fait même rater, ça, très certainement, une note ou deux, puisqu'elle a un peu, elle a été un petit peu trop brusque dans ses mouvements. Son archer a un petit peu sauté sur l'instrument et du coup, elle a baissé la tête sur ses partitions et elle relève plus du tout le regard dans votre direction. Donc, deux flûtes de champagne sont prêtes. L'étui de son instrument sent clairement la lavande. Une boîte de chocolat accompagne la bouteille de champagne et les deux flûtes. Je pense qu'elle elle va chercher à approcher Andrew à l'issue du concerto. Ça sent la soirée romantique. Ça sent la lavande. Ah bah vu ce qu'elle écrivait dans la lettre qu'elle lui a envoyée, c'est... Oui, oui c'était assez... J'ai relu ça et je comprends pas trop, en fait... le seul truc inquiétant, finalement, c'est qu'elle lui a offert... Enfin, il pense que c'est elle qui lui a tout offert au niveau des objets, donc y compris le pendentif avec l'œil de Dagon et le bijou en or, enfin le bijou, le tubercule en or, quoi, le gingembre. Oui. Donc elle aurait un rapport avec. On a peut penser qu'elle aurait un rapport avec Innsmouth, puisque visiblement c'est de l'or comme ça qui serait fondu dans la raffinerie. Effectivement. Pour être transformé ensuite en bijou genre œil de dragon. Mais elle a pas du tout une tête. Elle a pas du tout le masque en tout. Bah de loin comme ça, non, t'as pas l'impression. Après peut-être le. C'est vrai que quand vous étiez à Innsmouth, vous en aviez vu qui avait plus ou moins le masque d'Innsmouth. Après peut-être qu'en la voyant de plus près. En tout cas, là, de loin, non, elle a l'air d'être tout à fait normale, voire même plutôt charmante.
Moi, en tant que chimiste, la lavande, ça m'évoque pas quelque chose associé à du poison. Non, pas vraiment, non. Non, franchement. Ou une sorte de drogue, je sais pas. Non, c'est les trucs qui sentent, quel poison qui donne une espèce de d'odeur d'amande, mais là, L'acide. la lavande, non. Et alors que vous êtes en train de tous discuter, les gens en fait se mettent à applaudir et à se lever. Et vous vous rendez compte qu'en fait, il n'y a plus de musique, ça vient de s'arrêter. Le chef d'orchestre est en train de saluer le public. Les musiciens sont en train de s'incliner aussi pour remercier les Bah, applaudissements. pendant qu'il y a cette salve d'applaudissements, je tourne vers Werner, je lui dis attention, elle a toujours réussi à l'approcher sans qu'il s'en rende compte, elle est très futée, et là elle va chercher à l'approcher, on ne quitte pas Andrew des yeux. Moi, j'allais Ouais. dire plus, vous allez essayer de la coincer et moi, je reste avec Ando. Ok, Parce ben. qu'elle a remarqué qu'on l'observait, donc elle va peut-être pas venir chez Ando. Ok, Émilie, tu restes avec Andrew, je pars avec Werner, on l'attend à la sortie des coulisses. Oui, on peut procéder comme ça. Ok. J'irai même vous entrer dans les coulisses parce que vous allez la louper peut-être sinon. Ben, de ce que je connais du bâtiment, il y Ah, a plusieurs bref. sorties des coulisses. Allez-y. Oh bah le. Vite, Bah vite. toi t'es passé par l'espèce d'entrée des artistes, hein, donc il n'y en a qu'une. D'accord. Eh ben écoute, on va à l'entrée des On y artistes. va, ouais. D'accord. Et on attend, mais un peu tapis dans l'ombre, tu vois. On l'attend pas clairement comme deux vigiles à l'entrée d'une discothèque. On l'attend un peu dissimulé. Et dès qu'elle arrive, en fait, on abordera la conversation. D'accord, très bien. Son prénom, rappelle-moi son prénom, pardon. Jennifer. Jennifer. Bah écoute, vous dirigez là-bas. Au bout de quelques minutes, les musiciens commencent à sortir. Surtout ceux qui avaient des instruments un peu plus faciles et rapides à ranger dans leurs étuis. Et vous finissez par voir cette jeune femme-là. Bah je vais vous partager. Hop. Une photo. Me dites si vous l'avez. Pas encore. Ah oui. Ouais. Voilà, donc pas voilà de ce que tu Oswald de ce que tu sais maintenant du masque d'Innsmouth. Non, elle a clairement pas C'est le pas le même style, ouais. Non, on est non. d'accord. Mais ça nous va bien. Puis ça lui Par va bien, ça contre, lui va bien aussi. vous la voyez sortir d'un pas assez rapide, avec son étui à violon dans les bras, enfin sous un bras. Et vous voyez qu'elle se dirige à côté vers une poubelle qui se trouve pas très loin de la porte. Et qu'en fait, elle y balance, enfin, non, elle balance pas. Vous voyez qu'elle laisse glisser dans la poubelle la boîte de chocolat et elle commence à s'éloigner donc de la poubelle et du bâtiment la basse mais avec un voilà d'un pas un peu plus pressé. Elle n'a pas l'air du tout d'avoir vu que vous étiez elle vous a Moi, pas je la repéré. suis discrètement, en tout cas. Ok, Oswald, tu fais quoi toi? Tu suis aussi? Alors, moi, je vais déjà récupérer ce qu'elle a mis dans la poubelle. D'accord. Et sans la quitter des yeux, enfin, une fois qu'elle m'a dépassé, en fait, j'y vais, je le glisse sous mon manteau. Je vais la suivre. Très bien, bah écoutez, Werner et Oswald, vous la suivez et en fait, vous n'allez pas la suivre très très longtemps, puisque à l'extérieur du bâtiment, un peu plus loin, ça donne sur le grand parc du campus. Et sur le premier banc de libre, en fait, elle s'y assoit. Elle pose son instrument à côté d'elle. Voilà. Elle s'y assoit et vous voyez, elle a la tête baissée.
et rapidement vous vous rendez compte certainement être en train de pleurer. D'accord, je m'approche. Bonjour, je suis désolé, je passais là à tout hasard, vous semblez bien triste, pouvons-nous vous aider? Alors, elle s'essuie tout de suite les yeux en vitesse, histoire que vous ne voyez pas qu'elle est en train de pleurer. Non, merci, ça va aller. C'est rien. Mais dites-nous, en quoi pouvons-nous... on ne peut pas vous laisser triste comme ça, vous voulez-vous en parler? Que se passe-t-il? Non, si je devais en parler, ce serait à... Je ne vous connais pas, donc je ne vais pas m'épancher auprès de... Vous êtes étudiante Donc moi, de toute façon, j'étais à proximité. Vous êtes étudiante, madame, mademoiselle, dans ce campus. Oui, est-ce je que suis... quelqu'un vous veut du mal? Je suis professeur, hein. Vous avez peut-être entendu parler de moi. Vous êtes un professeur en quoi? En chimie et en biologie. Ah, je suis désolé, c'est pas du tout les disciplines qui m'intéressent. Enfin, toujours est-il que ce n'est rien de grave. Ce n'est rien de grave, c'est juste. Ce n'est rien de grave. Et puis vous voyez qu'en fait elle se lève. Veuillez m'excuser. Mais pourtant, vous avez joué divinement. Vous êtes une virtuose. Tout s'est très bien passé. Les spectateurs ont adoré. Qu'est-ce qui vous met dans cet état-là? Bah, tu vois qu'elle s'est levée quand tu as dit qu'elle avait bien joué et tout. Je vous remercie, mais j'ai pas vraiment le cœur à discuter. Excusez-moi. Une prochaine fois peut-être. Peut-être que Andrew pourrait vous redonner vous rendre le cœur léger. Alors qu'elle était elle avait fait déjà plusieurs pas. Au moment où tu as dit Andrew, elle s'est figée. J'attends, je ne dis rien. Elle se tourne vers toi. Qu'est-ce que vous avez dit? Pardon? Vous avez parlé d'Andrew? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous avez dit exactement? Je vous ai demandé si ce n'était pas le genre de compagnie qui vous apaiserait le cœur. Ah, tu vois que son visage un peu triste se prend plutôt un air un petit peu plus un peu énervé. C'est-à-dire, de toute façon, Andrew ne me connaît pas. Et si je me trompe pas, il est déjà en très bonne compagnie. Maintenant, veuillez m'excuser. Et elle fait demi-tour et elle part quasiment en courant. Bon, ben on la suit, on la laisse pas partir comme ça. Voilà, ça oui. Donc, on la rattrape. On la rattrape clairement, hein. Je lui pose une main sur l'épaule, je l'arrête, je lui dis sur un ton un peu sévère, Jennifer, vous devriez nous écouter, nous octroyer un moment pour discuter. Tout ce que vous avez fait vis-à-vis d'Andrew, c'est un délit et vous pourriez avoir de sérieux problèmes si ça venait à se savoir. Et je vous recommande vivement de vous poser 2 minutes et de discuter avec nous. Son visage se décompose quand tu lui dis que ce qu'elle a fait, c'est un délit et tout. Ça s'appelle du harcèlement. Et si la police venait à le savoir, vous pourriez avoir de très très gros problèmes. Et je la regarde fixement dans les yeux, un air un peu péremptoire. Mais en fait, elle éclate en sanglots. Et parmi les sanglots, tout ce que tu réussis à comprendre, c'est que tu réussis juste à comprendre qu'elle dit que elle voulait pas que ce soit, elle ne pensait pas à mal, et que apparemment elle a l'air d'être complètement amoureuse de lui depuis des années. Mais vous vous rendez compte de ce que vous lui avez adressé?
tous ces objets, ces lettres enflammées, enfin d'ailleurs, où vous êtes vous procuré tout ça? Bah, quand tu lui dis ça, elle relève la tête, elle dit oui, je lui ai écrit des lettres, mais je lui ai offert des gâteaux, des chocolats, mais je lui ai pas offert de. Je ne lui ai offert aucun objet. Jamais d'objets, jamais de bibelots, jamais de bijoux, rien. Bah non. Bon, là, mon regard croise celui de Werner. Je fais un jet de psychologie, je veux avoir l'assurance qu'elle ne ment pas. Bah, tous les deux, vous pouvez faire un test de Ouais. psychologie. Elle vous Moi, dit que. j'ai pas mal analysé quand même dans son comportement. Elle insiste sur le fait que bah, elle pensait pas que offrir des gâteaux et du chocolat à quelqu'un, c'était répréhensible par la loi. Êtes-vous déjà allé jusqu'à chez lui? Êtes-vous déjà entré par effraction chez lui? Avez-vous déjà déposé des objets devant sa porte? Le suiviez-vous? Je ne suis jamais rentré chez lui, je sais. Non, je ne suis jamais rentré chez lui, ni même déposé quoi que ce soit devant sa porte. Très bien. Mais de Bon. toute façon, ne vous inquiétez pas, ça n'arrivera plus. Visiblement, son cœur est déjà prise. De qui parlez-vous? Son cœur est son Andrew, son cœur est déjà pris, Oui, j'ai bien visiblement. compris, mais Donc de qui parlez-vous? Quelle est la prétendante, la femme sur laquelle il aurait jeté son dévolu? bah, la grande Émilie, t'es quoi, t'es blonde? On dirait bien, oui. Bon, Bah, là, pour... la grande blonde à lunettes qui l'accompagnait tout à l'heure. bon, là, au moment où il dit ça, on se regarde avec Werner et on éclate de rire, quoi. Et non, non, vous, Jennifer, vous méprenez, vous méprenez totalement. Nous sommes trois personnes qui cherchons juste, qui voulons réellement et profondément du bien. À Andrew, et vous savez qu'en ce moment il vit des choses assez compliquées et difficiles. Nous veillons à ce qu'il soit en forme pour les prochains événements sportifs qui auront lieu disons très prochainement. Et mon objectif, en tout cas en tant que professeur, c'est qu'il puisse permettre à notre université d'avoir une très belle image au niveau, on va dire, international par ces Jeux Olympiques. Donc nous veillons à ce que tout puisse bien se passer pour lui. Donc rassurez-vous, il n'y a aucune mauvaise intention. Et vous pouvez nous faire confiance. Voilà, c'est. Tout à l'heure, vous avez parlé de répréhensible par la loi. Ça, vous voulez dire qu'Andrew a été prévenir la police ou a porté Non, non, plainte? non, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ce qu'on vous demande en tout cas, c'est pour l'heure de calmer vos velléités et de prendre de la distance avec lui, ne serait-ce que temporairement, le temps que nous fassions la lumière sur ce qui lui arrive. Mais certaines personnes ne lui veulent du bien. Voilà, nous ne vous en dirons pas plus. En tout cas, laissez-le un peu tranquille. Prenez juste un peu de distance, même temporairement. En tout cas, si ça peut vous soulager, sachez que son cœur reste à prendre. Sauf qu'il n'a pas du tout l'esprit à ça. Par contre, est-ce que vous auriez vu, étant donné que vous avez souhaité vous rapprocher de lui, est-ce que vous avez vu éventuellement des personnes tiers essayer de rentrer en contact avec lui, qui voudraient éventuellement lui faire du mal? Alors, oui, j'avoue lui avoir envoyé des lettres, mais je ne suis pas à le suivre à longueur de journée. J'ai des cours à suivre. Je dois m'entraîner.
je ne passe pas le, je, non, je ne le suis pas partout. Donc non, je n'ai rien remarqué de particulier. D'accord. Est-ce qu'il serait possible de lui demander, je me rends compte avec ce que vous me dites que ça peut être mal interprété. Vous devez certainement me prendre pour une petite idiote amoureuse, écervelée, qui n'en fait que, enfin, qui écoute son cœur plutôt que sa raison. Alors, vous n'êtes pas la première. Rassurez-vous. Dans ce cas, tout ce que je souhaiterais, c'est de discuter avec Andrew, voire même de m'excuser auprès de lui. Très bien, avec grand plaisir. Andrew est adulte, hein. Werner, vous iriez peut-être chercher Emily en bout, au moins ça pourrait. Je pense que ça peut être une bonne chose. Dites-moi, Emily, juste une question. Êtes-vous déjà allé à Innsmouth? Jennifer. Êtes-vous déjà allé à Innsmouth? Elle secoue la tête en disant non. Non, je sais que c'est une ville à moitié abandonnée. Où on y pêche. Je ne vois pas ce que j'irais y faire. La question a l'air de l'avoir quand même, d'avoir vachement surprise dans le sens. Elle secoue la tête en disant non. Mais elle semble honnête. Alors fais-moi elle un. Elle semble embarrassée. Et donc au moment où je pose cette question et que Werner allait chercher Emily et Andrew, je pose la main sur l'épaule de psychologie, c'est là, de Werner pour l'empêcher de partir. Réussite. Bah écoute, quand elle te dit que non, elle a jamais mis les pieds là-bas et que je vois pas pourquoi elle irait. T'as tendance à la croire en fait. Elle a vraiment l'air d'être aussi surprise par la question aussi incongrue dans la discussion que vous avez eue depuis tout à l'heure. D'accord, c'était plus ça qui l'a surprise que le fait qu'elle bégayait ou qu'elle cherchait un peu quoi me répondre quand je lui ai parlé d'Innsmouth. Ouais, voilà, c'est vraiment. Voilà, depuis tout à l'heure, c'est elle suit Andrew, elle lui offre des trucs et tout ça, et à ce coup, bing, vous êtes déjà allé à Innsmouth. C'est un peu ça qui avait l'air de l'avoir désarçonné. Ok, parfait. Mais très bien, c'était le but. D'accord. Bon, je laisse Werner aller chercher Emily et Andrew. Très bien. Bien, je vais chercher hein, directement, je reviens. D'accord. Emily, pendant ce temps-là, toi, tu étais restée avec Andrew. Et voilà, Andrew, il continuait un peu à jeter un œil. Il continuait à regarder vers la porte, vers là où étaient partis Oswald et Werner. Bon, ça fait quand même plusieurs minutes hein, qu'ils sont partis et. Allez, il te dit, Émilie, je suis désolé de pas te demander ça, mais à ton avis, comment je devrais réagir à ça? J'avoue, je suis un peu perdu. C'est la première fois que je suis le centre des attentions de quelqu'un, d'une jeune femme que je ne connais pas du tout. Que je n'ai jamais vu, je sais pas, j'hésite, je suis un peu perdu, je sais pas trop comment réagir entre ouais, c'était un petit peu intrusif, on va dire.
Après, j'avoue que je suis aussi un petit peu flatté. Je ne vais pas le cacher, mais du coup, je sais pas trop comment, je sais pas trop comment réagir à la situation là. Passer un peu de temps, tu sauras. Ah, ouais. Et tu vois que il a l'air de réfléchir, de tourner le truc dans, de retourner le truc dans sa tête encore et encore jusqu'à ce que Werner débarque. Et dès qu'il voit Werner, tout de suite il va le voir et alors qu'est-ce que vous vouliez le vous étiez censé le l'intercepter en sortant des coulisses, vous l'avez vu, qu'est-ce que eh bien ça m'a on a croisé donc cette jeune violoniste, elle se nomme Jennifer, et elle avait l'air troublée en fait, il y a eu un malentendu, elle pensait que Emily qui faisait partie qui était avec nous, hein. Elle pensait que c'était votre petite amie, et voilà, donc on l'a retrouvée à l'extérieur, en larmes, et on essayait de remettre la vérité, voilà, pour qu'elle puisse effacer tout malentendu. Voilà, mais si vous le souhaitez, voilà, vous pouvez m'accompagner avec Émilie. D'ailleurs, vous pouvez venir aussi avec nous, hein, avec plaisir, pour retrouver Jennifer et Oswald. Un instant, Werner. Pourquoi est-ce qu'elle a offert l'œil de Dagon et la petite statuette là, Elle vous a expliqué ? Non, elle nous l'a pas expliqué directement. Je pense qu'il faudrait mieux aller la rejoindre. Là, je prends le coup d'Andrew et je lui dis sois prudent, soyez bon quand même, parce que nous ne connaissons pas réellement ces intentions. Après, rassurez-vous, hein, nous sommes quand même trois hommes. Ou avec nous, voilà, nous saurons faire face à une jeune femme. Andrew acquiesce quand tu lui as dit que de faire attention. Ouais. Bon bah, allons-y, tirons cette affaire au clair. Si vous voulez bien me suivre, c'est dans cette direction. Très bien. Après quelques minutes, hein, vous vous retrouvez dans le Oswald, toi qui étais resté avec Jennifer, elle s'est assise, elle s'est rassise dans un banc un peu plus loin. Donc voilà. Moi, je l'ai suivi. Et quand vous arrivez, Oswald, Werner, Emily et Andrew, elle se lève d'un bond du banc et elle commence en fait à triturer un coin du bas de son manteau. Elle a du mal en fait à regarder vers Andrew. Tu veux dire, c'est des signes d'intimidation, c'est ça? Ouais, c'est autant dans les lettres qu'il avait dans la lettre que Andrew vous avait confiée. Elle est assez entreprenante. À ce moment-là, autant là, elle est complètement intimidée. Et bah, Oswald, Werner et Emily, vous vous retrouvez dans une situation un peu inconfortable, c'est que bah, vous avez les deux qui sont face à face. Jennifer qui, ouais, donc comme je disais, qui tortille un coin de son manteau sans oser regarder Andrew, et Andrew les mains dans les poches de sa veste de l'équipe de l'université, qui bah tout aussi sûr de lui sur un terrain et en compétition. Lui aussi, il a l'air d'être complètement désemparé, de pas savoir comment. Et du coup, il y a une espèce de silence un peu gênant qui s'installe parmi vous tous.
D'accord, tu veux dire que lui aussi ressent une certaine forme d'intimidation. Ouais, c'est juste ce qu'il venait de dire à Émilie, qu'il savait pas trop en fait comment aborder la situation et comment gérer le truc. Ouais, il en est toujours là. Moi, j'ai toujours le médaillon dans mon sac à main. Oui, tu l'avais, oui. Et ben, du coup, si le moment qu'ils vivent s'attarde un peu, moi, je le sors du sac, je me rapproche d'elle, je le lève jusqu'à son visage et je lui demande pourquoi. Alors, ça a le mérite de casser un peu l'espèce de moment un peu étrange qu'il y avait entre les deux. Elle regarde le médaillon, elle recule un peu. Le pourquoi quoi, je comprends pas. Pourquoi avez-vous donné ce médaillon à Andrew? Je lui ai jamais donné ça. Et là, je regarde Andrew. J'ai jamais vu ce pendentif là, je sais même. Non, comme j'ai dit à vos amis, oui, j'ai offert des boîtes de chocolat, des boîtes, des gâteaux. J'ai offert aussi. Elle dit ça en baissant les yeux et en triturant un morceau de son manteau. J'avais tricoté aussi un pull, oui d'ailleurs un pull dont il vous avait parlé en gros, mais je n'ai jamais vu ce pendentif là, je ne sais pas, je ne lui ai jamais offert ça. Je pivote vers Andrew et je fais Andrew, c'est très important, vous l'avez obtenu ce médaillon, rappelez-le nous. Ce médaillon-là, je l'ai trouvé dans une petite boîte posée chez moi devant ma porte. Et là, je me tourne vers Jennifer pour voir la tête qu'elle fait. Et je fais un jeu de psychologie pour voir si... Et là, vas-y, tu peux faire... Fais ton jeu de psychologie. Elle te dit... Non, je ne suis jamais... Je n'ai jamais été déposé le moindre cadeau devant sa porte. Et alors là, pour le coup, elle regarde Andrew et elle lui dit tous les cadeaux que je t'ai offerts, à chaque fois, je les ai déposés au gymnase au niveau de, c'était toujours soit à côté, soit dans ton casier au gymnase. Je ne me serais jamais permis d'aller m'introduire jusque chez toi, même devant ta porte, pour déposer quoi que ce soit. Non, à chaque fois j'ai déposé. Et effectivement, Andrew, alors, elle a l'air sincère quand elle te dit ça. Et surtout, Andrew confirme que oui, effectivement, chocolat, gâteau, le pull tricoté, oui, à chaque fois il a trouvé ça. Soit c'était à son casier, effectivement, au gymnase, puisqu'il a un casier attitré, soit c'est il y a le pull en fait qui lui a été remis par quelqu'un, ce qu'elle confirme comme oui elle avait filé comme elle avait pas osé, elle avait filé à quelqu'un en première année, elle lui avait filé $1 pour qu'il aille lui donner ça, déposer ça à un endroit où il est, qu'il fréquentait et tout. Et ouais, effectivement. Mais par contre, elle réitère le fait que non, elle a jamais été déposée quoi que ce soit devant sa porte chez lui. Et elle t'a l'air sincère. Ah oui, je lui dis, je vous crois. Et Andrew, le petit tubercule en or, vous l'avez reçu comment, devant votre aussi? Oui, c'était le... Oui, le... Enfin, non. Non, c'est pas dans la porte. Mais c'est... En fait, c'était un colis qui m'était adressé, sans aucun nom d'expéditeur, qui m'était adressé et que le concierge de l'immeuble m'a remis lorsque je suis rentré de ma journée. Mais c'était bel et bien chez moi aussi.
Là, j'essaye de réfléchir vite, à savoir où est-ce qu'ils pourraient être en sécurité tous les deux si on les accompagne jusqu'à cet endroit, parce qu'on n'a rien à faire dans leur histoire, en fait. Mais j'aimerais pas les laisser là au milieu du parc. Bah, hormis bah, mis à part chez lui, le après il y a quoi? Il y avait chez ses tantes un On lieu pourrait, public. j'allais dire, on pourrait leur proposer. Andrew, vous ne voulez pas inviter Jennifer à aller prendre le thé chez vos tantes? Oui, pourquoi pas, oui. Oui, pourquoi pas, je. On va vous accompagner. Et le regard de Jennifer se fait un petit peu moins triste et un peu moins bouleversé que depuis le début de la conversation. Ce qui fait que. Et si vous vous dirigez tous jusque chez les tantes qui n'habitent pas très loin, comme je vous avais dit, voilà, il y a un peu une espèce de silence un peu gêné qui s'installe dans. Vous, par contre, vous pouvez remarquer quand même une fois ou deux des petits quelques regards en coin qui sont que Andrew lance à Jennifer et vice versa. Ouais, Aha. moi ça m'intéresse pas trop, ça je regarde plutôt autour de nous voir si on n'est pas suivi. Est-ce que je dénote une Ok. est-ce que je dénote une touche de jalousie, même fugace, dans le regard d'Émilie? Ça, c'est Émilie qui va nous le dire. Non, Andrew est bien trop jeune pour Émilie. Je suis pas sûr, hein. En tout cas, j'en déduis que Andrew est un briseur de cœur. Ouais, pas vraiment, non. Émilie a Et Emily, 26. ça la branche pas trop, le genre d'Andrew, quoi. Ouais, elle a 26 ans. Ouais. Et puis Emily, ouais, non. Non, ça fait longtemps qu'elle serait avec Andrew, hein. Bah En écoute, plus, c'est l'ex d'une de ses copines. oui, c'est vrai, Voilà. en plus. Ah bah oui, Ouais. Ah, ça c'est plus gênant, en effet. Bah du coup, ouais, vous dirigez, vous traversez tout le parc, puisque les tantes d'Andrew habitent juste au bord du parc du campus. Émilie, tu voulais jeter un œil un peu à droite, à gauche. Tu peux Oui. me faire un jet de trouver objet caché. Et Oui. tu me le. Non, attends, je vais le faire. D'accord. Ok. Bah, Émilie, alors que vous êtes presque arrivé chez les tantes, il semble avoir vu dans la rue, sur le trottoir un peu plus loin, alors qu'il ne regardait pas dans votre direction, mais voilà. C'était assez notable pour que tu le remarques. Il semble avoir vu quelqu'un qui a des traits quand même pas très très pas très harmonieux, un peu disgracieux, un petit peu comme le masque d'Innsmouth. Des yeux un peu Je donne un globuleux. coude à Voilà. Werner en lui montrant, enfin sans quitter la silhouette des yeux, je donne un coup de coude à Werner qui est à côté de moi, puisque Oswald, lui, il est entre les deux taureaux. Il est jaloux. Je regarde un petit peu aux alentours là et je regarde le regard d'Emily qui pointe dans une direction et je regarde dans cette direction et d'un seul coup je recule un petit peu là, je sursaute et je suis un peu tendu, un peu effrayé.
Donc c'était un homme hein, qui en fait qui déambulait sur le trottoir, une petite mallette en cuir à la main, un journal plié sous le bras, et voilà, qui a continué son chemin sans même jeter un regard vers vous. Et il va dans quelle direction Il est en train de se... Il se dirige vers l'est, et savoir que dans la rue où vous êtes, en tout cas de l'endroit où vous êtes, si vous allez, si vous prenez la route vers l'est, donc, direction, en fait, en gros, ça va le mener jusqu'au pont qui permet d'enjamber la rivière Miskatonic. Et vous savez que de l'autre côté du pont, il y a l'arrêt de bus qui permet de... Pour Innsmouth. Voilà. Là, il est à combien de mètres de nous? Il est à plusieurs... il a une bonne trentaine de mètres. Il est en train de s'éloigner en direction de l'arrêt de bus. Ouais, enfin, moi, je cours après lui. Alors, je te rappelle que tu as une canne et que tu boites parce que tu t'es pris une balle dans la jambe. Autant pour moi. Dans la jambe. Moi, je fais signe à Oswald. Non, c'était pas la jambe, c'était l'épaule, autant pour moi. Mais en tout cas, voilà. Ah, oui. Que se passe-t-il? Oui, excuse-moi. Je fais signe à Oswald et je lui dis de... Est-ce que vous pourriez pas aller voir cet homme-là qui me semble plutôt suspect? Mais qui est-ce? Une personne apparemment qui a l'air de ressembler beaucoup aux habitants d'Ismous. Mais il vient d'où? Enfin, au motif de quoi? Ou juste le fait qu'il vienne d'Ismous, vous pensez que ce soit étrange, professeur? Disons qu'on n'a pas l'habitude de croiser ce genre d'individu et je sais que dans la famille d'Andrew n'a pas été. Très populaire au sein de cette communauté. Bon, je commence à courir avec mon regard tourné vers Werner et hop, je regarde droit devant moi, un peu dans le doute en fait, et je regarde droit devant moi et je rattrape l'homme en question. Monsieur, s'il vous plaît. Tu l'appelles plusieurs fois et au bout d'un moment il finit par se retourner, un petit mouvement de recul et oui jeune homme que bonjour un ami à moi a eu l'impression de vous reconnaître, excusez-le, il est convalescent, il n'a pas pu vous retrouver, mais si j'ai bien compris, il vous connaît bien et il avait à cœur de vous parler. Est-ce que vous auriez juste un instant s'il vous plaît? Et quel est le nom de... Vous devez avoir des amis communs, vous avez dû passer un bon moment ensemble. venez, il est juste là, hein. Je ne vous dérouterai pas longtemps. Mon objectif n'est pas du tout de vous importuner, cher monsieur. À ce moment-là, t'entends des voix d'enfants. Et... Il y a deux petites filles qui arrivent derrière lui et une femme. Et les deux petites filles qui arrivent juste derrière lui qui disent « Papa, c'est qui ?» Elle doit avoir peut-être 5 ans. Deux petites jumelles avec des tresses. Oh, papa, ok. Papa, comme elles sont mignonnes. Elles ont des yeux globuleux aussi ? Oui. Oh, comme elles sont mignonnes. elles sont vraiment très jolies. Et il y a une femme aussi qui les a rejoints et Madame, enchantée. Qui est plutôt mince, voire même maigre, avec le teint un petit peu cireux, les cheveux, les quelques cheveux qui dépassent du bonnet qu'elle porte sur la tête soit un petit peu filasse et elle te regarde, elle regarde l'homme, elle lui dit tu connais ce jeune homme? Mais dites-moi, je ne pense pas me tromper, vous venez d'Innsmouth, me tromperais-je?
Quel bon vent vous amène sur les terres d'Arkham? Ils te regardent tous, enfin les deux adultes te regardent. Et, oui, nos familles viennent d'Innsmouth, mais nous habitons Arkham. Ah, très bien. Écoutez, jeune homme, vous devez être très certainement. Moi, j'attends que Werner arrive là. Votre ami, vous devez nous confondre avec quelqu'un d'autre. Je ne vous connais pas du tout. Werner, toi, tu t'approchais, c'est ça ? Oui, je m'approche. Comment il s'est... Quel était le nom des parents d'Andrew ? Fisher. Fisher. Le nom me revient. Vous connaîtriez pas une famille qui vivait à Innsmouth, les Fisher. Et j'appuie vraiment le nom quand je parle des Fisher. Vous savez, jeune homme, des Fisher à Innsmouth, il y en a beaucoup. C'est une des plus grosses familles. Les parents décédés du jeune Andrew. Je balance une pierre dans la mare. Les parents décédés du petit Andrew. Non, je suis désolé d'insister, mais jeune homme, mais je pense que vous faites erreur. Nous ne connaissons pas de Fisher et nous ne côtoyons pas non plus les gens d'Innsmouth. Nous vivons à Arkham du côté de French Hill. Donc effectivement, si vous longez vous prenez la rue plein est. Au lieu de tourner vers le nord et de passer la Miskatonic vers l'abri de bus pour Innsmouth, si vous continuez tout droit en fait en longeant la rivière, enfin le fleuve, vous arrivez au quartier de French Hill, le quartier un peu populaire et qui se situe sur une petite colline en plein milieu d'Arkham. Bon, quand j'ai évoqué les Fisher et les parents d'Andrew, je ne l'ai pas vu sourciller. Ni certaines rides ou une certaine forme de crispation apparaître sur son visage. Fais-moi un jet de psychologie. Ah, quand même. Werner, toi, tu me disais que tu l'avais rejoint. Oui, moi, j'arrive et excusez-moi de vous importuner, mais en fait, j'ai un ami qui travaille à Innsmouth. Et il travaille dans les docks. Hein, c'est... Et il s'appelle Mario Ortiz et quand je suis allé le voir, je suis allé lui rendre une petite visite hier, il m'avait semblé vous apercevoir, voilà, à ce moment-là, et j'avais passé un très bon moment dans cette petite communauté, et voilà, c'est pour ça que il me semblait que nous avions discuté ensemble avec Mario, mais voilà, j'ai peut-être dû me tromper. Vous le connaissez, Mario Ortiz? Alors, je vous arrête tout de suite, monsieur. Je ne connais personne du nom de Mario Ortiz. Et de plus, si vous pensez m'avoir croisé à Innsmouth hier, sachez que je n'y ai pas mis les pieds depuis près de 3 ans. Ma petite famille et moi, nous sommes installés à Arkham. Même si nous sommes originaires d'Innsmouth, nous n'y avons plus d'attache ni de famille. Nous sommes installés à Innsmouth, du côté de French Hill, et je n'y remets plus les pieds. Donc, visiblement, vous êtes trompé. Vous m'avez confondu avec quelqu'un d'autre. Oui, veuillez m'excuser. Tout de même. Innsmouth, c'est quand même une ville fort, fort agréable, très, très sympathique. Qu'est-ce qui vous avait fait partir de cette ville? Quand tu lui dis ça, il te regarde en biais. Monsieur, je suppose que vous êtes en train de vous plaisanter. Me dire que Innsmouth c'est une ville agréable à moitié, alors qu'elle est à moitié abandonnée, que les gens ils sont reclus et plus que désagréables avec les étrangers, voyons. Ouais, après c'est. Ce sont la plaisanterie. C'est une ville qui a une certaine histoire, donc une certaine communauté, et en effet, ils n'ont pas envie de se mélanger avec, les personnes en dehors de leur coutume. T'es en train de dire qu'ils sont consanguins, là, quand même. Hein. Alors, monsieur... écoutez,
Écoutez, il se tourne vers sa femme, il dit emmène les filles, j'arrive. Non, mais excusez-moi. Il se tourne vers vous deux. C'est vraiment une erreur, vous avez raison, nous vous avons confondu et pris pour quelqu'un d'autre. Et j'espère que nous ne nous avons pas manqué de respect et nous vous prions sincèrement de nous excuser. Et nous ne vous dérangeons pas plus longtemps. Il ne réplique rien du tout, il relève le menton et il se redresse un petit peu pour prendre un peu plus de contenance et il se tourne sans vous, en vous ignorant totalement. Certains pourraient dire qu'il s'en va comme un prince, quoi, en vous laissant derrière. Et vous voyez qu'il rejoint sa femme et ses filles qui vous regardaient d'un peu plus loin. Bon, bonne soirée, monsieur. Une très bonne soirée, hein, messieurs, dames. Excusez-nous de vous avoir importuné. Bon, écoutez, Werner, si à chaque fois que vous voyez une personne avec des yeux globuleux, vous vous dites que il y a une piste à suivre... Oui, non, mais voilà, c'est cette visite dans ce petit port qui m'a un petit peu déstabilisé et... Je suis assez angoissé. Hein, de... ouais, je rien je vois de les ça. Revoir, ça me fait revivre des moments plutôt désagréables. Oui, ben, j'ai l'impression qu'il a fui la ville pour les mêmes raisons. Bon, très bien, retournons voir Jennifer, Emily et Andrew. Oui. Qui, tous les trois, vous n'étiez plus très loin de chez les tantes. Du coup, Andrew s'est tourné vers toi, Emily. Et t'as dit qu'est-ce que vous souhaitez est-ce que vous souhaitez prendre le thé avec nous ou... Oh, nous ne voulons pas nous imposer. Ça ira ? Et ils se regardent tous les deux toujours avec cette espèce de pas trop savoir. Comment aborder la situation et je pense que ça te... oui je pense que ça devrait aller. J'attends quand même que une des tantes ouvre la porte et tout ça et je histoire de m'assurer que tout aille bien dans la maison aussi. Ah bah oui de toute façon comme les tentes, en fait, elles habitent au premier étage d'un immeuble. Le rez-de-chaussée, en fait, c'est un magasin de chapeaux. Donc, sur le côté, il y a une petite porte. Dans le fond du couloir, un escalier qui mène donc au premier étage et ainsi de suite. Donc, t'as pu les accompagner jusqu'à là. Effectivement, c'est bien la même tente, puisqu'il y en avait une qui avait l'air d'avoir du mal à marcher. Donc, c'est l'autre tente qui est venue ouvrir la porte. Et qui accueille Andrew en demandant un peu qui était cette charmante jeune femme qui l'accompagnait et tout. Donc je suppose que c'est à ce moment-là que tu les laisses un petit peu. Si la tante n'a pas l'air d'envoyer des signaux genre SOS, notre maison est envahie de gens aux yeux globuleux, oui, je les laisse. Non, ça y est, la paranoïa nous gagne. Non, rien du tout. Non, puisque elle te dit vous souhaitez prendre le thé aussi avec nous. Merci, vous êtes vraiment aimable, mais j'ai rendez-vous par ailleurs. Très bien, écoutez. Mais je suis très heureuse de vous avoir revu, madame. Très bien, écoutez, une prochaine fois, n'hésitez pas à venir avec Andrew. Nous accueillerons avec plaisir. Ah, mais avec le plaisir sera partagé. Et je viendrai bientôt. Très bien, écoute... Andrew la porte se referme sur Andrew et Jennifer et tu vois en fait Andrew qui avec galanterie était en train d'aider Jennifer à en fait prenait son manteau et l'accrochait sur un porte-manteau près de la porte et donc au moment où
tu redescends, en fait, c'est là que tu rejoins, que tu retrouves Oswald et Werner, de leur petite, qui reviennent de leur petite escapade. Et du coup, on n'a rien raté à Andrew de nos découvertes, puisque voilà, quoi. Non, effectivement. Vous n'avez rien expliqué à Andrew, et Oswald ne vous a strictement rien dit sur ce que lui avait découvert. Il n'a pas eu le temps non plus. Sur les bouteilles de champagne, etc., etc. Non, sur ce que tu as découvert juste avant de venir à la bibliothèque, au concert, de ce que tu as découvert dans les bouquins tout à la bibliothèque. Tout à fait. Alors, je leur en fais part, de manière circonstanciée. Ouais. Vu que ça risque de te prendre un petit peu de temps, est-ce que vous faites ça au milieu de la rue ou est-ce que vous avez prévu un truc Non, on va aller... Non, en effet, on va aller dans un endroit plus tranquille. On va aller prendre un thé. Très bien, très bonne idée. Ok. Donc, quelques maisons de thé ou un endroit où un café, un dîner, tout ça, il y en a quelques-uns, surtout autour du. Vous n'êtes pas loin du campus. Autour du campus, il y a ce qu'il faut. On s'installe au premier venu, on prend trois thés, on s'installe confortablement, et je leur relate mon entrevue avec Armitage, qui m'a permis, au regard des motivations dont on faisait part, d'accéder à la collection restreinte, en plus particulièrement un ouvrage qui s'appelait Les écrits de Ponapé. Les écrits de Ponapé. Et voilà, je leur explique ce que j'y ai trouvé au sujet du culte de Dagon, que c'était de vieilles. Enfin voilà. Tu leur fais le topo de tout ce que tu as découvert. Exactement. Ainsi que le fait que selon leur tradition, soi-disant qu'ils s'accoupleraient avec des créatures venant de la mer et que les enfants qui en naîtraient auraient. Une tête qui rappellerait un petit peu le masque d'Innsmouth. Exactement. Bah, entièrement même. Voilà. Et on sait qu'il y a des adeptes, mais on ne sait pas. Bah, c'est ce que je me suis dit. Mais beaucoup de choses convergent quand même. Moi, je pense qu'ils ont plutôt une maladie congénitale. C'est envisageable. Que Marsh a ramené des îles. Oui, et puis c'est vrai que cette population a l'air d'être vraiment consanguin. Hein. Ils sont complètement reclus sur eux-mêmes, donc ça ne m'étonne pas. Et puis leur trait physique. Leur bon, en tout cas, ce que l'on sait, c'est que derrière tout ça, il y a vraiment un culte et des croyances envers une divinité de la mer, et que il semble leur être assez dévolu. Après, dans quelle mesure ils ne parlaient pas particulièrement des rituels, ils expliquaient néanmoins qu'il y avait des sacrifices humains. Donc là, les sens glace qui pouvaient être effectués en offrande à ce dieu de la mer. Et pour quelle raison? Pour avoir des bonnes pêches Exactement, et en fait, étonnamment, c'est un dieu de la pêche, mais aussi de l'agriculture, et donc pour d'une part avoir des eaux poissonneuses, mais aussi des champs fertiles. Oui, c'est toujours le même principe. Hein. De toute façon... Voilà, alors est-ce que ce sont des légendes? Toutes les civilisations ont toujours vénéré les dieux pour avoir des meilleures conditions de vie, des meilleures récoltes, donc... Après, est-ce vrai? Est-ce que réellement, ces écrits dataient d'il y a plusieurs siècles, est-ce que réellement il... siècles. Oui, c'est bien ça, hein, Eric, tu confirmes? Ah oui, oui. Il y avait des trucs plusieurs siècles. Est-ce que réellement Innsmouth verse dans ses croyances et je ne saurais vous le dire. Légende, réalité, je ne sais pas.
Je ne crois rien oublier. J'avoue que la lecture de tout ça m'a bouleversé. Après, je fais la part des choses, même si Armitage m'a mis en garde et m'a dit en quelque sorte que toutes les vérités n'étaient pas bonnes à savoir. Et que la curiosité, dans certains cas, pouvait mener à notre perte. Oui, enfin, c'est pas lui qui s'est fait agresser, c'est Werner. Tout à fait. Et pas dans une bibliothèque. Au contraire, je pense que moins on en sait, plus nous sommes en danger, et plus nous en savons, plus nous serons en sécurité, car nous saurons à quoi nous attendre. Oui, ou alors on peut faire un déni complet, partir et se dire que ces affaires-là nous dépassent. En quelque sorte, c'est ce qu'il me disait. Toutes les Ça bonnes. mettra Andrew en danger. Enfin, ça laissera Andrew en danger, car je suis convaincue que cette folle d'Esther va essayer de le tuer si elle y arrive. Oui, c'est possible, en effet. Ou de l'épouser. Je ne sais quoi dire. En tout cas, on n'a pas trouvé. Il faudrait trouver un moyen de le protéger. Jusqu'à ce qu'on en sache plus. Oui, mais comment? Comment le protéger? À part grâce à notre présence. Mais sinon. Et est-ce qu'on va lui dire ce qu'on a appris sur la mort de ses parents? Cette Esther? C'est comme ça qu'elle s'appelle, hein? Esther, ouais. Est-elle Esther. Esther marche. Ouais, c'est ça. Alors, juste, je précise un petit truc. Le concert tout à l'heure, était vers 16h ou 16h30. Le temps qu'il se déroule, ça s'est terminé aux alentours de 18h. Vous avez récupéré Jennifer, vous avez discuté et tout ça. Vous êtes dirigé chez les tantes. Donc le temps de retourner à un endroit pour discuter un peu de tout ça. La nuit est tombée, il est vous approchez des 20h. Ça voilà, vous avez eu le temps de bien discuter. Oswald a pu rentrer vraiment dans un peu plus dans le détail. Là, il vous a fait la version succincte puisque la dernière fois vous avez entendu tout ce qu'il avait découvert. Mais voilà, le temps qu'il vous explique tout ce qu'il a trouvé, ouais, il est entre 20h et 20h30. D'accord. Donc voilà, c'est juste la petite précision pour ça que vous sachiez à peu près à quel moment de la journée vous étiez. Et aussi, ça pourrait peut-être vous aider à déterminer ce que vous alliez faire par la suite. Très bien. Ben, de toute façon, qu'est-ce qu'il nous reste comme piste? Donc, on a compris que, qu'à l'évidence, Jennifer n'est pas une piste valable. C'est que ce serait même plutôt une fausse piste. C'est juste une amoureuse transie qui n'a jamais eu le courage d'aborder Andrew et qui lui adressait des lettres et des cadeaux tout en s'arrangeant pour qu'il ne sache jamais de qui ça provienne. Et il y a en effet l'autre biais qui nous intéresse, mais sur lequel nous n'avons pas beaucoup de pistes, qui est qu'elle, même si on a une idée que c'est l'histoire d'Andrew et que tout ça serait originaire d'Innsmouth, mais qu'il y a en effet un ensemble d'objets qui lui ont été adressés, dont le pendentif représentant l'œil de Dagon, c'est ça? C'est un œil? Oui. C'est ça, ouais. Oui. Et le gingembre géant. Et il y a un truc quand même, hein. C'est que il y a quelque chose que Floyd a trouvé que nous on n'a pas dû trouver pour qu'il se fasse tabasser comme ça et qu'on tente de le faire accuser
Le trafic d'alcool, à moins qu'il se livrait réellement au trafic d'alcool que je refuse de croire, parce que du coup, il n'aurait pas été aussi excité par tel qu'on nous l'a décrit sur cette affaire. Ou alors il s'est fait tabasser parce qu'on lui a demandé de savonner la planche d'Andrew pour lui pourrir l'existence, et il l'a peut-être pas fait assez vite ou assez bien, et ça a agacé ses commanditaires. Ah, c'est une hypothèse, oui. Mais j'aimerais bien pouvoir en parler avec Floyd. Est-ce qu'ils acceptent les visites soir à l'hôpital? Je crois pas, hein. Ah Attendre demain. oui, allons-y, ils vont les accepter. Non, ce soir, ouais, tu penses que enfin, les visites, ça doit certainement être en pleine journée, en après-midi. Et surtout, c'est que Pour un gars quand. qui était dans le coma, quoi. Ouais, vous êtes. Oui, en plus, vous étiez. Parce qu'aux dernières nouvelles, il était dans le coma. Et il savait même pas s'il allait finir pas. S'il allait se réveiller ou pas. Cette Ford T verte, on l'a jamais revue. Non. Une fois que nous avons été à Innsmouth, nous ne l'avons pas vue non plus. Bah, sur le chemin du retour d'Innsmouth, Emily, à un moment donné, il lui avait semblé voir peut-être un phare éclairer la route plusieurs centaines de mètres derrière vous. Et puis après, ils sont allés tabasser Werner. J'aime bien tabasser les gens. Ouais, sachant qu'on sait qu'il y a un gros costaud qui fait du 46 et d'accord. Et qui mesure plus de 2 mètres, c'est ça? Un Est-ce gros que costaud qui s'est quand même pris une balle en pleine poitrine par Werner. Mais il est où ce gros costaud du coup? Ils en étaient sortis ou je sais plus. Bah toi en fait le problème c'est que quand tu t'es fait agresser, il y a la femme qui était avec eux qui t'a collé Ouais, le qui m'a canon de explosé, ouais. fusil de fusil de chasse sur la tête en te menaçant en disant que je sais plus ce qu'elle t'avait dit, mais elle t'avait menacé. Et que au moment où le gros costaud était reparti soutenu par un type qui portait un chapeau et une barbe, tu t'étais pris un gros coup de crosse en pleine figure, ce qui fait que voilà, t'avais perdu connaissance à ce moment-là. Donc tu penses franchement que le gros baraquet est reparti avec eux. Maintenant, est-ce que la balle que tu lui as collée en pleine poitrine était fatale ou pas? Je sais pas. Et Werner, en fait, vous n'êtes pas allé porter plainte auprès de la police? Ah, j'ai seulement témoigné quoi sur ce qui Oui, s'est quand même. passé. Oui, Bah, c'est. quand on s'est fait arrêter, mais pour votre agression. Alors. Après, oui, j'ai officiellement, j'ai pas porté plainte. J'ai juste décrit la situation au niveau de mon agression. Après, officiellement, je D'accord, me suis la pas rendu dans. police était. Oui, alors ça c'est un petit détail que j'ai complètement oublié de dire la dernière fois, c'est que Émilie, toi tu étais allée voir Werner et tu l'as accompagné à sa sortie d'hôpital. Et en fait, quand il était en train de se préparer et tout ça, quand tu es arrivé là-bas, en fait la police était venue prendre sa déposition et prendre la description des agresseurs et de ce qui s'était passé. Voilà, donc en même temps une plainte. Donc oui, c'est la police, c'est a pris tout ce qu'il fallait. C'est juste, c'est moi qui ai complètement oublié de vous le préciser de ce truc-là. Mais ça a été la D'accord, déposition a parce été que prise les dès le médecins ont matin. prévenu. Parce que les médecins ont prévenu la police, c'est ça? Bah oui, et puis c'est surtout que en fait, c'est la police et des ambulanciers qui ont ramassé Werner quand dans le hall de son immeuble. Ah, d'accord. Voilà. Ah oui, parce que les voisins ont appris. C'est ça. Il y avait eu plusieurs coups de feu, les voisins ont appelé la police, et c'est la police qui a géré ça. Donc c'est pour ça que la police a bien, bel et bien pris la D'accord. déposition de Werner et la description des agresseurs. Ça c'est acté, il n'y a pas de problème. Et par contre, on n'a pas parlé d'un lien avec Andrew. À la police, non, je ne pense pas. Non, puisque je crois que Werner, c'était juste le fait que des types t'ont agressé. Oui, il n'y a aucun lien Ouais. qui a été remonté avec Andrew. Ah, j'en vois, mais. Tout cas, j'en ai pas fait part à la police. D'accord, c'est ça.
Du coup, qu'est-ce que vous allez faire pour le reste de votre soirée, sachant que Werner, bah, t'as quand même le, tu souffres quand même toujours de la balle que tu t'es pris. Ouais, bah, je vais pas me coucher tard, hein. J'ai une grosse journée. T'avais quelques médicaments pour un peu calmer la douleur et tout ça, donc. Oui, je vais essayer de reprendre un petit peu de force. Ok, le Oswald et Emily, vous avez un truc de prévu ou pas? Ou vous aussi, vous rentrez après cette longue journée? Moi j'irais bien. Moi j'irais bien au poste de police quand même. Alors le poste de police se trouve dans la partie nord d'Arkham, donc pour traverser une bonne moitié de la ville, repasser le pont et pour aller jusqu'au commissariat central. Ouais, j'aimerais bien aller me renseigner un petit peu. Est-ce qu'on a des contacts, Werner, vous avez des contacts au sein de la police de Arkham? Malheureusement, les seuls contacts que j'ai, c'est à chaque fois dans des mauvaises situations. La première fois, disons, juste après le meurtre de ce journaliste à scandale. Et la deuxième fois où je me suis fait agresser. Mais sinon, je n'ai pas de très bonnes... Vous n'avez pas de contacts particuliers. Bon. D'accord. Allons-y, on peut quand même aller se renseigner. Venez avec moi à Werner, on va essayer de glaner. Enfin, Milly, venez aussi, on va essayer de glaner quelques informations quand même. Savoir si leur enquête avance, s'ils ont des éléments, si on peut être reçu par. Pour finir cette petite soirée, sans que ça soit trop agité, je peux vous accompagner. Bon, très bien. J'ai besoin de récupérer. Très bien, nous allons y aller. D'accord. Rapidement. Très bien, on se rend au commissariat d'Arkham. Alors, vous allez tous me faire un test de trouver objet caché. D'accord. Que vous sortez dans les rues après avoir. Je suppose que vous avez mangé aussi dans ce soir. Donc, quand vous sortez, il fait assez frais, il y a quelques gouttes qui commencent à tomber. C'est un petit peu humide. Moi, je sais même pas si on le remarque. Ah oui, c'est oui. Effectivement. Ok. Vous dirigez vers le commissariat. Donc vous, comme je disais, vous retraversez le fleuve Miskatonic, direction pas loin de, c'est dans le quartier des affaires, pas loin de la banque, pas loin de l'Independence Square, le grand square d'Arkham, le Beast Diner qui se trouve pas très très loin non plus. Et donc lorsque vous arrivez au commissariat central d'Arkham, vous êtes accueilli par un type derrière un pupitre près de l'entrée à l'accueil. Bonjour monsieur, nous venons aux nouvelles. Le professeur Werner, ici présent, a été agressé il y a de ça 2 jours. Et nous voudrions savoir si l'enquête avance. Werner, vous souvenez-vous par quel agent était suivie cette affaire? Oui, je m'en souviens très bien. Donc, On lui donne le nom. Voilà, on lui donne le nom. L'inspecteur qui suit votre affaire, par contre, n'est pas là. Il est rentré chez lui pour dormir. Oui, peut-être a-t-il un collègue en service qui pourrait nous renseigner. Nous voulons juste quelques informations, savoir si l'enquête avance. Comprenez que le professeur Werner est un éminent professeur, qu'il y a des troubles psychologiques qui découlent de cette agression.
grave et que ça Et j'ai failli y passer, hein. et que ça pourrait exactement et que ça pourrait lui permettre de gagner un peu de quiétude, de savoir que l'affaire avance et que vous avez même peut-être quelques noms. Et voilà, nous venons que chercher son repos psychologique et rien d'autre. Mais vous voyez, il ne dort pas, il est fatigué, il est claudiquant. Oui, d'accord, j'ai compris. Et on je le vais saoule, me renseigner. En fait. Voilà. Je vais me renseigner. Je vous remercie. Et puis peut-être que vous avez des enfants qui sont scolarisés et vous aimeriez qu'ils suivent un enseignement de premier ordre, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Attendez deux secondes. Le policier s'éloigne, va dans les bureaux, revient avec un inspecteur plutôt costaud, assez carré. Il fait du 46 ? Non. Donc il doit avoir une cinquantaine d'années, avec un holster à l'aisselle. Bon, si j'ai bien compris, vous voulez savoir un peu ce qu'il en est de la... C'est vous le professeur qui avait été... vous êtes fait flinguer hier, c'est ça? Oui, tout à fait, par trois individus, une femme un peu forte et deux hommes, dont un qui était assez grand. Et qui faisait du 46. J'imagine que vous l'avez remarqué dans le cadre de votre enquête. Oui, bah après, c'était dans la continuité, quoi. Alors, est-ce que je me souviens plus de ce que vous avez, de ce que. Alors, est-ce que tu avais dit, tu soupçonnais que les types venaient de Dinsmouth ou. Non, je l'avais pas dit. Mais... Non, t'avais rien dit. T'avais rien parlé. D'accord. Ok. Je me souvenais plus que. Non, j'en avais pas parlé. Ok. Alors, j'avais juste fait part de leur description physique, mais oui, j'aurais pas mis en avant le fait qu'ils viendraient Dinsmouth. Ok. Mais ce que je peux faire part justement, c'est que là, nous avons croisé des individus qui apparemment auraient les mêmes traits physiques que ces personnes. Mais en y regardant de plus près, ils n'ont pas l'air d'avoir de lien à part le fait qu'ils viendraient tous d'Ismos. J'ai eu des problèmes avec cette population récemment. Non, on n'a pas de problème après. Comment dire, les problèmes d'Innsmouth sont résolus par la police d'Innsmouth. Oui. Avez-vous fait un parallèle peut-être entre l'agression du professeur et l'agression du petit journaleux fouille-merde de la veille? Vous avez là un parallèle intéressant, enfin je dis ça, je ne dis rien. Écoutez, c'est pas moi qui m'occupe de l'affaire, donc moi je n'ai pas lu le dossier en détail. Serait-ce que vous demandez d'y avoir accès? Peut-être qu'il y aurait peut-être un terrain d'entente. Que vous ayez accès au dossier de police. Oui. Juste jeter un coup d'œil, il n'y a rien de mal à ça, c'est le grand professeur Werner qui a été agressé, et tant que nous pouvons aider, nous aiderons, mais c'est par simple curiosité, afin d'en prendre connaissance, mais nous n'interviendrons pas et nous n'entraverons rien votre enquête policière, bien entendu. Après, il est vrai que j'ai besoin de savoir vraiment le bout en bout de ce qui s'est... Du moins, ce qui aurait pu justifier leur acte, et, ça m'obsède profondément et j'ai vraiment besoin de consulter pour disons, et essayer de... Alors, vous ne pourrez pas consulter le dossier de la police, c'est confidentiel. Maintenant, je vous répète, si vous voulez plus d'informations, il faudra voir ça avec le policier, l'inspecteur en charge de cette affaire. Bon, très bien, je pense que c'est clair. Bon, merci beaucoup, en tout cas, inspecteur. Nous vous souhaitons une bonne nuit. Merci, vous aussi. Bon, on part, on a compris qu'il préférait dormir dans son bureau que d'aider des honnêtes gens.
Donc de faire l'aller-retour, il est quand... là il est plus de 23 heures hein. Quand vous redescendez vers le sud d'Arkham, dans la partie où vous habitez tous, un peu éparpillés sur le campus ou autour du campus, il est un peu plus de 23 heures. Moi, je vais me coucher. Je salue le professeur. Professeur, essayez de bien vous reposer pour. Oui, oui, je vais essayer de récupérer de l'énergie et de la vigueur. Très bien. Émilie est déjà couchée. Alors, Émilie, qui vous avez accompagnée. Oh, elle est avec nous. Bon bah, je la raccompagne jusqu'à sa chambre et je m'assure que voilà, j'entends bien les verrous de la porte. Alors justement, petit truc. Vous êtes sur le campus, vous marchez sur le trottoir du campus, direction donc tous les trois directions vos logements respectifs. Émilie, tu remarques quelque chose. Alors, c'est assez silencieux hein, autour de vous, quelques bruits de la nuit, voilà, rien de plus. Et tu entends un bruit de moteur, une voiture qui descend la rue que vous êtes en train de longer. Et qui prête pas plus attention que ça, jusqu'à ce que la voiture vous passe à côté de vous. Et tu te rends compte que la voiture, en fait, c'est une. Il n'y a qu'un seul phare. Et surtout, c'est une vieille Ford. Modèle T. Elle vient de passer juste à côté de nous. Et elle va où? Et elle est en train de se diriger vers l'est. Plus ou moins vers French Hill et le pont qui mène qui permet de traverser le fleuve Miskatonic pour rejoindre le nord d'Arkham et la direction d'Ismaus. Alors bon, j'ai fait un jet pas trop dégueu de trouver où j'ai caché pour savoir si vous apercevez quelque chose. Mais on l'aperçoit tous les trois ça ou il y a juste elle qui l'aperçoit? Il n'y a que Émilie. Je vous la montre. D'accord. Bien sûr, vous avez vu, regardez. La voiture. Et elle est à combien de mètres de nous, la voiture? Ah bah, elle vient, au moment où Émilie vous dit ça, elle passe juste à côté de vous. Ah bah moi, je bondis. C'est la voiture. Je bondis sur le côté de la voiture. Sur le marchepied, je mets, je m'attrape à la portière. Enfin, je sais pas, c'est inespéré, quoi. On court après ça. Depuis le début en fait. Alors je vais te demander un test. Donc en toute impulsivité et je le regrette une fois que je suis sur le rebord de la voiture. Je comprends oui. L'ampleur de ma bêtise. Tu me fais un test de dextérité majeur. Majeur. Ouais. Tu cliques sur majeur et tu fais ton test après. Bon bref c'est impossible. Toi aussi tu vas aller à l'hôpital. Eh ben, je dépense mes 20 derniers points de chance pour y parvenir. Il m'en reste 28. Ah bah, pile. Et il faut, il me faut 20%. Bah, je dépense tous mes derniers points de chance. Ok. Donc, Oswald... Vous voyez Oswald se précipiter vers la voiture qui passait le long du trottoir. Bon, après, la voiture ne roulait pas vite non plus. Hein. En tout cas, il s'y précipite, il se jette sur la voiture et réussit à s'accrocher in extremis comme il pouvait en fait. Est-ce que les fenêtres sont ouvertes? Oui, surtout c'est comme j'avais montré sur l'image, en fait c'est une décapotable. La capote est relevée, rabattue sur le. D'accord. T'as le temps de voir en fait plusieurs personnes dans la voiture. Et est-ce que j'ai le temps d'agir? Dis-moi ce que tu veux faire. Je veux me saisir du saisir de ma main droite, c'est-à-dire ma main la plus forte, parce que je suis droitier, le haut du volant,
et de le braquer d'un quart de tour en direction de l'arbre, du banc, Alors, du réverbère. Le problème, c'est que vous étiez sur le trottoir, la voiture est passée. En fait, le volant se trouve de l'autre côté de du véhicule. Eh ben, c'est pas grave, je vais un peu plonger dans le véhicule. Je vais y passer tout le tronc. Et je vais, avec mes deux bras, attraper le volant et le braquer de toutes mes forces vers la gauche. Ok, bah écoute, retente-moi un test de dextérité. Oh, t'es sérieux? Oui. Bah Parce que c'est. dans la voiture, il y a plusieurs personnes. Ouais, mais attrape, bon, d'accord. Majeur encore ou. Non, tu fais le normal. Ah, je rate. Bon. Si elle va pas super vite la voiture, nous on se met à courir derrière. Enfin moi en tout cas je me mets à courir derrière quand je vois qu'il fait ça quoi. Ouais, pour ma part, j'essaye, mais j'avance pas très vite, quoi. Non, ça toi ça va être un peu compliqué. Donc si je rate ça, je m'allonge, je vois que je n'arrive pas à attraper le volant, en fait, c'est ça. Je Bah, n'arrive pas à l'attraper. voilà, en fait toi t'as réussi à te hisser sur le marchepied de la voiture, t'as essayé de te jeter dedans pour essayer de bloquer le volant, de faire le volant pour faire arrêter la voiture ou la faire foncer quelque part. Donc en gros là, Émilie et Werner, ce que vous voyez c'est les jambes d'Oswald qui dépassent de la portière et tout le reste du corps d'Andrew qui est dans le d'Oswald et qui est dans la voiture. Dans la voiture, il y a un type qui porte un chapeau et une barbe qui est au volant. À côté de lui, donc il y a une personne, une femme. En gros là, t'es presque affalé sur ses genoux à cette femme-là, Ah. qui est un peu costaud, Ah. Aïe. les cheveux filasses. Donc oui, c'est pas un moment si agréable que ça. Elle a un fusil de chasse posé à côté d'elle. Et surtout, il y a du monde à l'arrière. Et dans la précipitation, il te semble apparemment derrière il y a au moins trois personnes, dont Andrew et Jennifer. Alors, je constate ça, ils sont ligotés, ils sont. Dès que je suis plongé dans la voiture, j'entends des petites voix qui disent aidez-nous, aidez-nous, qui disent ouh, Oui, c'est plutôt ça. D'accord. Il est plutôt bâillonné. Donc, je suis allongé, je n'arrive pas à me saisir du volant. Non. Avec mes deux mains, je me redresse, en me redressant, j'attrape les clés et j'ôte les clés du contact en me retirant. Alors, Il va qui va falloir se encore faire passer? un jet de dextérité. Non. Donc je me suis allongé, j'ai pas réussi à attraper le volant, je me redresse en essayant en attrapant la clé. Et oui, donc t'as réussi à mettre la main sur. T'essaies d'attraper la clé comme tu peux pour essayer d'arrêter le véhicule. Derrière, Émilie est en train de courir comme elle peut et Werner encore plus. La femme qui est un peu costaud, qui est sur le siège passager, te décoche un coup de poing en pleine figure. Tu décoches un gros coup de poing en pleine figure. J'encaisse, je sais en fait, j'attends depuis le début le coup d'où qu'il vienne, mais je reste vraiment concentré sur la clé, il faut que j'attrape cette clé, il faut que j'arrête cette voiture. Le coup de poing que tu viens de prendre, tu as l'impression de t'être pris une brique en pleine figure. Ta tête est complètement rejetée en arrière. Ton crâne heurte le tableau de bord. D'accord, est-ce que j'avais saisi la clé? Ah, Est-ce t'avais. que ma j'avais la clé dans ma main? Alors, non, t'avais pas. T'étais en train de tâtonner pour essayer. T'avais repéré à peu près où c'était. T'étais en train de tâtonner au moment où tu t'es pris le coup de poing. Tu te prends 6 points de dégâts. D'accord. Ouais, ça fait très très mal.
Moi, pendant ce temps, n'ayant pas assez de force pour essayer de les rattraper, je commence à viser et je vais essayer de tirer dans l'un des pneus. Ok. Bah dans ce cas-là, tu fais un test de tir en majeur. Émilie, toi, tu continues à courir après la voiture? Ah ouais, ouais, je cours. Tant que je peux. Ok. Pour la voiture, j'ose pas tirer doit... dessus, parce que ça me paraît quand même dangereux, maintenant que Oswald est dedans, quoi. La voiture fatalement fait des maladresses. Non, c'est pas la voiture qui fait des maladresses. Non, c'est pas besoin d'en faire. La voiture fait des embardées. Enfin, elle tourne à droite, elle tourne à gauche, elle tourne à droite. Enfin, il essaie de garder le contrôle, le conducteur. On est d'accord. Oui, surtout que la femme, après t'avoir collé un coup de poing, essaye de t'empoigner à deux mains au niveau du col. Et essaye de te pousser à l'extérieur de la voiture. D'accord. Est-ce que derrière, Andrew essaye d'agir ou ils sont complètement ligotés, pieds et poings liés? Alors, Andrew a l'air d'être conscient. Jennifer n'a pas l'air d'être inconsciente. Et surtout, il y a la troisième personne. Tiens, je vais te montrer une image de la troisième personne qui se trouve... assise et qui est en train de sortir un couteau de tu sais pas trop où. En tout cas, elle sort un couteau. Elle est assise à côté d'Andrew, elle le maintient à moitié, enfin, d'un bras elle le maintient et de l'autre elle est en train de sortir, elle a sorti un couteau. Et elle ressemble à ça. Et reçu l'image. Esther marche. Wow. Ah oui, ça surprend. Je comprends qu'il est fuit la street. Bah, je veux pas bien dormir ce soir. Voilà, un visage franchement disgracieux, des yeux beaucoup trop gros pour le visage, un peu trop écarté, le nez un peu écrasé, la bouche droite est beaucoup trop large. Et un crâne avec des... Voilà, il y a des cheveux, mais c'est un petit peu... Par endroit, c'est un peu clairsemé. C'est et très, très filasse. Et avec un teint un peu jaunâtre. Bon, je ne suis pas dans le coma. Et même si elle m'a mis un coup de brique, ma main reste quand même allongée sur leurs jambes et pas très loin de la clé. Et dans un moment de lucidité, même si je me sens sonné, j'essaie d'attraper cette maudite clé et de l'arracher du contact. Ok, dans ce cas-là, tu me fais un petit test de... Tu me fais un petit test de dextérité pour essayer de choper la clé. Tiens, bim. Ouh. Je vois ma longue vie défiler et j'ai un élan de survie où j'attrape la clé et sur un mouvement de poignet, je la jette sous les sièges de l'auto. D'accord, c'est vraiment l'instinct de survie, t'arraches la clé, tu sais pas trop comment, t'arraches le truc, tu la balances n'importe où. J'essaie de la glisser avec un petit peu de force, un mouvement de poignet assez sec sous les sièges pour qu'elle soit un peu compliquée à retrouver. Ok. La femme qui essaie de t'empoigner, là, elle a. Tu sens en fait qu'il venait de te coller un pain. Elle a réussi à t'empoigner par le col. Et juste après que tu aies réussi à arracher la clé et à l'acheter dans la voiture, elle, avec une force conséquente, elle te balance complètement en dehors de la voiture alors que tu étais toujours à moitié allongé sur la portière, elle te projette de la voiture, elle te balance par terre. Une voiture qui va moins vite du coup. Ah bah qui s'est même carrément arrêté dans un énorme soubresaut qui a
C'est peut-être même ça qui, c'est peut-être même ça qui a aidé, qui l'a aidé à te balancer de la voiture. Mais qui va me sauver aussi, parce que ça ferait plus mal si la voiture était en mouvement. Du côté de Werner, toi, donc tu as fait une maladresse avec, quand tu as voulu tirer. En gros, là, ton, c'est un automatique que tu as comme pistolet. Donc en gros, en fait, ton automatique, c'est coincé. Il y a une, la balle, il y a une balle qui s'est mal engagée dans le dans la chambre du pistolet. Il va te falloir un petit peu de temps pour réussir à décoincer le truc et en croisant les doigts pour que ça ne recommence pas. Et Emily, du coup, Werner et Emily, qu'est-ce que vous faites? Vous venez de voir la voiture s'arrêter et Oswald catapulté de la voiture, tombé à 2 mètres plus loin, juste au moment où la voiture s'est arrêtée. Bah, je cours vers Oswald déjà. Ok. Pour voir comment il va. Werner, tu fais quelque chose de particulier? Tu continues d'avancer ou? Bah oui, je continue et puis j'essaye de. J'essaye de retirer à nouveau. Hein. Ok. Alors le bon, ça te prend un petit peu de temps. T'es obligé de comme je disais, de décoincer la balle qui était dans la chambre, tout ça. Émilie, quand tu arrives au niveau d'Oswald, donc il a le nez qui pisse le sang et tu peux voir donc une femme, enfin plusieurs personnes au niveau de la voiture. C'est en train de gueuler. T'entends juste une voix de mec qui dit je la trouve pas cette putain de clé et voilà c'est. Est-ce qu'Oswald me dit quelque chose quand je lui demande si ça va bien? J'ai mal. Empêchez-les de repartir. Et là, je crache du sang. J'essaie de me relever tant bien que mal. Je vais vers la voiture en saisissant mon pistolet dans mon sac et en le sortant du sac. Tu sors ton pistolet. Tu vois donc une femme assez un peu costaud avec un visage très disgracieux qui au niveau du siège passager et tu vois qu'en fait elle est en train de passer par la portière un fusil de chasse à canon scié. Quel pointe dans votre direction? Il y a un endroit où se planquer. je vais de l'autre côté de la voiture, tu sais. Elle est du côté droit, moi je vais du côté gauche par l'arrière de la voiture, comme ça elle peut pas me tirer dessus. D'accord, ça marche. Et je continue d'approcher avec mon arme à la main. Tu t'es barré pour contourner la voiture, t'as réussi à te mettre hors de portée d'elle. Par contre t'as entendu une détonation de fusil de chasse pété derrière toi, le Oswald, il y a un éclat de chevrotine qui a explosé à 30 cm de toi sur le trottoir. D'accord. Est-ce que j'ai un pistolet? Je crois pas que tu en avais, toi. Bah, pourtant, j'ai une case rouge à côté de dégâts de mon pistolet, c'est-à-dire que j'ai dû tuer quelqu'un à un moment. Ouais, c'est bizarre. Je pense vu ce que tu m'avais dit au niveau du perso, je suis pas sûr que t'aies un pistolet sur toi. Bon, bah donc je n'ai pas de pistolet. D'accord. Je me relève. Qu'est-ce qu'il y a autour de moi? Bah pas grand chose puisque t'es sur le trottoir qui longe le parc de l'université. Donc il y a peut-être un arbre ou j'en sais rien. Oui, il y a une boîte aux lettres. Il y a une boîte aux lettres. Et ben, je déloge la boîte aux lettres de toutes mes forces. Tu sais que les boîtes aux lettres sont fixées, sont boulonnées au sol. Hein. Ah. J'essaie de trouver une arme contendante, une branche, une boîte aux lettres, je ne sais pas. Je cherche quelque chose. Tu cherches quelque chose, ok.
Enfin, c'est rapide, hein. Je passe, jette un coup d'œil circulaire autour de moi. Si je vois quelque chose qui peut faire office de ça, je le prends. Sinon, je. J'allais te dire, fais-moi un jet de chance, mais Oh, bah, j'ai plus de chance. t'as plus de chance, voilà. Bah, je peux toujours faire un jet. Si je fais un 1, tu me l'accordes. Oui. Bon, voilà. Donc, je n'ai pas de Voilà. chance. Donc, je me Ça, relève c'est fait. et je me mets à courir vers la voiture. J'attrape par le col Oh, attends. Jennifer. Ça, c'est ce que tu. Attends, attends. C'est ce que je souhaite faire. Donc, C'est je ce que te tu souhaites décris mon faire. intention et l'attraper par le col et la sortir de la voiture. D'accord. Donc, en direction de la femme qui est toujours à la portière, qui a un fusil à canon double, qui a visiblement a déjà tiré une cartouche. Donc, il lui en reste très certainement une deuxième. Émilie, toi, tu m'avais dit que tu contournais la voiture et que tu voulais essayer de faire feu, je crois. Ouais. Ben Ok. non, je vais mon pistolet dans la main. En fait, je dis tout ça, mais je suis même pas sûre que j'avais un pistolet au départ. Je Parce pense pas. que elle tire au fusil, ça je le sais, mais est-ce qu'elle s'est procuré un pistolet Ah oui, c'est vrai, oui, tu sais tirer au fusil, mais pas forcément pas au pistolet. Ouais, effectivement. Ben, sinon je fais tout ça, mais sans rien, quoi. Voilà. Ok. J'ouvre la portière arrière hein, d'un coup. D'accord. Tu ouvres la portière Et arrière. je regarde ce qu'il y a dans la voiture tout en me préparant à me jeter au sol vers l'arrière de la voiture s'il le faut. Bah, tu fais bien puisque la femme qui était à l'arrière avec Andrew et Jennifer vient de se fendre en avant avec et t'as eu juste le temps de voir un éclat métallique, un couteau avec lequel elle a essayé de te planter. Une espèce de le couteau, ce qu'on appelle le Bowie knife, c'est un énorme couteau de chasse dont la lame doit faire pas loin de 30 cm de long. Et en fait, elle a essayé de te planter avec, mais visiblement voilà, dans la précipitation, c'est passé à quelques centimètres de toi. Et en plus, comme tu t'es précipité en arrière, voilà, au moindre mouvement, elle ne t'a pas entaillé. Werner, toi, de ton Mais elle côté. était donc de ce côté-là, quoi, Oui, elle la est de ce voiture. côté-là, oui. Ouais. Werner, toi, tu as réussi à dégager la balle qui était coincée, à en réengager une autre dans la chambre. Tu es prêt à faire feu. Et tu viens de voir donc Émilie ouvrir la portière en grand, reculer, tomber à moitié en arrière. Une femme qui s'est juste penchée le buste en avant, tenant un poignard, elle a essayé de tenter Émilie. Et Oswald qui est en train de se diriger vers la voiture alors que tu vois un buste de femme qui tient un fusil de chasse à canoncier avec lequel elle vient de tirer d'ailleurs, qui est en train de le pointer vers Oswald. Je crois que tu es resté mute, Pasolini. Bon, moi en tout cas, quand c'est à mon tour, je vais faire un plongeon en avant. Vu que la porte est ouverte et que le bras avec le couteau dépasse de la porte parce qu'elle a essayé de planter, j'imagine, l'abdomen d'Émilie, en fait, et que d'une part on va me tirer dessus et je vois cette scène, je fais 3-4 pas pour m'élancer. Et je plonge en avant sur la portière pour que la portière se referme sur le poignet d'Esther. Et espérer, pendant cette détente, m'éviter un coup de fusil. D'accord, ok. Pasolini, t'es là? Ouais, je suis là. Ouais. Tu me dis dès que Excusez-moi. t'es... Ouais, bah moi j'avais essayé de viser correctement. C'est Ouais. bon. Donc ouais, t'as entendu ce que j'expliquais. Il y avait Esther qui était sortie avec un couteau à moitié sorti, qui a essayé de planter Emily, et l'autre femme qui est en train de pointer un fusil de chasse sur Oswald qui se précipite vers la voiture. Bah, j'essaie de viser cette femme.
Ok. Bah écoute, vas-y, tu fais ton jet de tir. Ah, ah bah voilà. Ah bah joli. Joli. C'est le premier de la soirée. C'est le plus important, je te dirais. J'avais préparé des points de chance. C'est très bien. Je te laisse le soin de nous décrire comment tu la blesses très grièvement avec ton tir. Eh bien, disons, en essayant de viser, disons, au niveau de son bras, hein, qui est en train de maintenir ce fusil, le geste n'est pas si parfait que ça, puisque je lui touche une zone très sensible de son épaule, ce qui lui fait relâcher son fusil. Et malheureusement, pour elle, la fait désarmer, tout simplement. Et... avec, disons, plein de sang. Alors, une sang peut-être d'une couleur un peu particulière. Là, de nuit, comme ça, c'est un peu difficile de voir. En tout cas, ça pisse le sang. Ouais, tu l'as vraiment touché au niveau de l'épaule. Peut-être même que tu l'as. Il se pourrait même que t'aies touché une artère assez importante. Parce que, en fait, oui, elle lâche son fusil qui tombe au sol. Et elle rentre, elle disparaît à l'intérieur de la bagnole, alors qu'elle a déjà tout le haut de son vêtement qui commence déjà à s'imbiber de sang assez rapidement. Du coup, Oswald, toi, tu t'es précipité. Oui, je fais un plongeon sur la portière pendant que le bras dépasse encore avec l'énorme couteau de chasse pour que la portière fracasse le poignet en se refermant. Ok. Et Émilie, tu voulais faire quelque chose de particulier ou pas ? Je sais pas si j'ai la place d'intervenir sans me mettre en danger. Vraiment, je me demande... En fait, pendant tout ce truc, j'aimerais bien essayer d'arracher la capote à l'arrière, mais je sais pas si elle est bien fixée ou pas. J'y connais pas grand-chose. C'est effectivement... C'est vrai que si tu sais pas trop comment... t'es pas trop familière avec les voitures. Par contre, tu as pu voir que à l'arrière il y avait donc Andrew conscient et Jennifer qui est à la portière opposée, qui a l'air d'être complètement affalée sur la portière sans connaissance. Ah bah alors, mais il y a toujours la folle avec son canon. Elle vient de se prendre une balle dans l'épaule et elle a lâché son arme. D'ailleurs, il y a un peu de sang qui a giclé un peu. T'as peut-être reçu quelques gouttes de sang. Tu es alors j'en profite pour aller ouvrir la portière côté trottoir. Quoi. De l'autre côté. Côté opposé. Ouais. Côté opposé. Là où il se trouve Jennifer. Ok. Voilà. Donc tu commences à tu cours, tu contournes la voiture. donc Oswald, toi tu te précipitais, tu voulais claquer la porte. Sur le bras de c'est ça, donc soit je cours et faire un saut avec un pied en avant pour rabattre très violemment la porte sur son poignet, ce qui conduirait à une douleur atroce de sa part et qui pourrait peut-être lui faire perdre son couteau, lui faire tomber en dehors de la voiture, ou alors je fais ça. D'accord, dans la scène. Émilie s'approche, elle ouvre la portière, elle essaie de lui mettre le coup de couteau. Werner tire une balle, l'autre se prend la balle dans le bras au moment où j'aurais peut-être dû me la prendre. Et moi, j'arrive sur la portière et avec mon pied, je mets un très gros coup de pied dans la portière pour la claquer sur le poignet d'Esther. Ok, tu me fais un test. Alors normalement, c'est ça va être un test de bagarre. Sauf que tu dois avoir le score de base qui doit être 25, je crois, 20 ou 25. Ouais, j'ai même pas bagarre. Oui, elle est pas sur le. En tout cas, t'as le score de base. On va partir sur 25. D'accord.
Mais c'est pas bagarre là, c'est j'ai envie de mettre un pied dans une portière qui fait 1 mètre sur Oui, c'est parce que c'est 80 cm. avec cette compétence-là, tu gères tout ce que tu veux quand tu veux coller des coups de poing, des coups de pied, des trucs comme ça. D'accord. Bon. Ben, je j'ai pas, je fais quoi? Je jette un. Bah, tu lances un descend et puis on va voir un peu ce que ça donne. T'as déjà eu de la chance pour quelques petits jets jusqu'à maintenant. Ouais, mais bon, là, quand même. Bon, bah, comment on fait pour en sélectionner deux gens, ça? Tiens, ça, c'est les dizaines, hop. Donc, je fais 10. Et j'en rejette un autre. Attends, attends, je me suis trompé. J'ai fait 10 et je fais 12. Et ben voilà. C'est bizarre, j'ai T'as rien fait. fait moi. Et t'as rien fait et ça t'a acheté, ça t'a lancé un jeu de psychologie. Mais je crois que c'est moi qui fais une erreur de manipulation en jouant avec Ah les dés d'accord. en bas. Je c'est pas possible que j'ai jeté un truc pour elle. Ouais, ça me semble bizarre. C'est pas D'accord, grave. bon. Écoute, tu réussis à faire ce que tu voulais. Limite, ça t'étonne même de voir la portière se refermer sur son poignet, lui faire lâcher le couteau. Tu t'es pas toi-même. Très bien. J'aime m'épater moi-même, pour une fois. Par contre, du côté d'Emily, tu contournes la voiture et bah, le conducteur de la voiture que pour Juste l'instant. une toute petite question. J'ai entendu les os La contourne du par l'arrière, hein. poignet se briser. Ouais. T'as pas. Non, t'as pas entendu que ça craquait. En tout cas, celle-là suffisamment. C'était suffisamment violent pour que ça le désarme. Et t'as pas entendu craquer de. Le bras n'a pas cassé en deux. D'accord. Oui, Émilie, tu disais, tu contournais par Oui, l'arrière du moi je véhicule. passe par l'arrière de la voiture puisque je m'étais jetée à l'arrière quand j'avais ouvert la portière et que je m'étais écartée, c'était vers l'arrière. Donc je contourne vers l'arrière et j'ouvre la portière droite arrière. Très Après bien, le bah écoute. conducteur, peut-être je le vois ou pas, je sais pas, mais Et bah justement, voilà, je vais décrire. En fait, le Jennifer se trouve sur le siège juste derrière le conducteur. Et donc, tu viens de contourner la voiture. Tu es en train d'ouvrir la. T'as contourné par là. C'est pas Esther qui était derrière le conducteur, je comprends plus. Non, Esther, elle était derrière La grosse femme avec le fusil à côté canon chaud. passager. Côté passager. Allez, j'ai pas Oui, fait c'est ça, mais de. moi j'avais ouvert côté conducteur la première porte. Ah, d'accord. Bah écoute, j'ai complètement mal compris le truc. Je pensais que t'étais sur. Parce que Je pensais que justement, je t'avais voulais ouvert éliminer la. la grosse dame hein, avec son gros fusil. D'accord, ok. Bon. Ah oui, moi aussi j'avais compris que la dame avec le fusil elle était la passager à l'avant. Ouais, il y a eu Ouais, une. mais Ah du coup, donc moi c'est le j'avais contraire, compris c'est que Esther qui est devant et j'allais la voulu grosse dire dame que j'allais à derrière, c'est ça? champ. Bon, c'est pas grave, on a fait le D'accord, mieux. ok. Du coup, je sais pas quoi faire. Ouais. En tout cas, toi, ce que tu voulais, c'était ouvrir la portière où se trouvait Jennifer pour la sortir de là, si j'ai pas compris. Bah, c'est ce que j'avais voulu faire en premier, ouais. Ah, c'est ce que tu voulais faire en premier. Bah, Mais c'est c'est pas pas grave. grave, on va le faire comme ça, du coup. Bah, après, c'est pas grave. Peut-être que quand t'as ouvert la portière pour essayer de sortir Jennifer, justement, Esther en a profité et a essayé par au-dessus du corps inanimé de Jennifer, a essayé de te planter à ce moment-là. Voilà. Oui, C'est pas c'est pas bien grave. grave. Donc là, toi, ton but. Maintenant, c'est quoi alors au final? Si Bah, tu c'est veux, si tu d'essayer de veux. sortir Jennifer et Andrew de cette voiture, quoi. D'accord. Donc, tu réussis à atteindre Jennifer sans aucun problème. T'as pu ouvrir t'as pu ouvrir la portière. Elle est complètement inconsciente. Je la tire Visiblement, hors de la voiture. elle a le Ouais, visage, excuse-moi. elle a pris plusieurs coups apparemment sur le visage. Il y a du sang au niveau de son nez, elle a peut-être même la lèvre ouverte et tout ça. Mais voilà, elle est complètement inconsciente, donc c'est vraiment un poids mort. Quand tu commences à l'extirper du véhicule, voilà, c'est vraiment un poids mort, quoi. Je demande de l'aide à Andrew. Alors Andrew, tu te rends compte aussi que les deux sont bâillonnés. Et Andrew et il a les il doit être ligoté les mains dans le dos.
Et lui, bien sûr, il a pas le visage abîmé. Si, il a pris des coups. Il a pris des coups. Ah, ok. Donc toi, tu viens de sortir. Je me dis qu'on aurait jamais dû les laisser tout seuls, quoi, les quitter chez la tante. Et puis ouais, je suis tellement en colère contre moi qu'on les ait laissés que ça me donne l'énergie d'essayer de retirer Jennifer de cette voiture, quoi. Et j'espère que ça donnera de l'espoir à Andrew de sortir de là aussi. Très bien, écoute, c'est exactement ce qui se passe. Oui, là, c'est la montée d'adrénaline qui fait que tu réussis à sortir le Jennifer de la voiture, de la traîner en dehors, vraiment entièrement en dehors de la bagnole. Du côté de Werner, tu vois que la portière du conducteur de la voiture vient de s'ouvrir. Et tu vois un type donc qui porte que tu reconnais, hein, c'est un des types qui t'a agressé la veille, donc avec une barbe, une espèce de trench coat et un chapeau vissé sur le crâne. Par contre, ce qui te fait peur, là c'est vraiment peur en fait. Tu vois ce qu'il a à la main. C'est pas un pistolet, c'est pas un fusil à pompe, enfin un fusil de chasse. C'est une Thompson avec un barillet en bois de camembert. Il est à combien de mètres de moi? Il est à une dizaine de mètres de toi. Il vient de sortir, il tient juste la Thompson d'une main, mais tu vois qu'il est en train de faire un mouvement pour la relever pour pouvoir l'attraper avec sa deuxième main. J'essaye de tirer sans prendre en assurant le coup le maximum possible, en essayant de toucher en plein cœur. Voilà. Et j'essaie de tirer le premier, absolument. Ok, ça marche. Alors, savoir que tu as avec ton pistolet, tu peux faire jusque 3 tirs par round. Sachant que le premier, tu le fais avec ton jet normal. Ouais. Le second, ce sera avec un dé malus. Le troisième, ce sera avec 2 dé malus. D'accord. Eh ben, j'enchaîne les 3 alors. Le tout pour le tout. Okay. Donc, je fais 3 jets. Ouais. Ah, tu fais ton premier jet normal. Ouais. On va aller voir si celui-ci. Alors, comment ça se passe pour les chances? Je peux utiliser tout de suite ou j'attends à la fin? Non, tu peux l'utiliser. C'est jet de chance, c'est sur chaque jet de dé. Donc là, tu peux. Là, ouais, faudrait 18 points de chance. Ouais, je veux continuer, on sait jamais. Donc là, après, je mets un malus. Un des malus, voilà. Ouais. Ok, et ton troisième avec 2 des malus. Excellent. Ah oui, celui-là, il est magnifique. Oui. Et tu faisais une critique à 1 si tu n'avais pas le démalus. Eh ouais. Bon, le troisième tir un peu. Alors, tu as dépensé des points pour le premier tir? Ouais, des pour points le de premier, chance, ouais, j'utilise ça. D'accord, très bien. Écoute, pas besoin de faire les jets de dés puisque en plus tu as une réussite majeure sur le deuxième tir. Ouais. Tu viens de lui. Bah écoute, vas-y, dis-moi comment tu lui as collé 2 balles et comment tu le mets au sol. Alors au début, je lui tire une première balle en plein cœur et avec mon geste qui était un peu approximatif. Après, et le recul, mon ongle prend un peu plus de hauteur et là, je lui tire une belle balle en pleine tête. Et je lui explose la face. Ok, et la troisième balle se perd dans la nuit. Dans un lampadaire. Voilà. En tout cas, le corps, le type tombe, s'effondre au sol, sans vie. Sa mitraillette Thompson tombe au sol avec un gros bruit métallique. Tous les coups de feu ont résonné vraiment dans les rues et dans la nuit. Que faites-vous? Pour l'instant, lui, il est par terre. Vous savez pas si elle est
Si elle est encore vivante, celle qui était sur le safe. Donc, et moi, je... il reste Esther dans la voiture. Voilà. Moi, j'attrape le couteau de chasse qui vient de tomber, puisque du coup, il est à mes pieds. Ouais. Et de toute ma hauteur, vu qu'elle est assise et moi debout, je lui plante ce couteau de chasse dans la clavicule. D'accord, ok. Ok, ça marche. Mais écoute. Qu'elle sente ce qu'elle a voulu faire subir à mon amie Émilie. Ok, écoute, au moment où tu lui plantes le couteau, je te fais pas faire de jet de dé, parce qu'en fait, au moment où tu plantes le couteau, tu te rends compte qu'elle était agrippée à Andrew qui essayait de se reculer comme il pouvait sur le siège. Et en fait, c'est voilà, c'est un truc qui te surprend, c'est que elle était en train de lui dire de lui chuchoter, enfin de lui dire le mon amour, et d'essayer de l'embrasser. Le truc Le complètement pauvre de. Andrew, il a passé une mauvaise journée lui aussi. Oh, c'était le bon moment, ça. Et donc c'est à ce moment-là que donc, tu plantes le couteau dans la clavicule. Oui, et je l'entre au maximum. Ok. Ça marche. Bah, elle a quelques soubresauts. Elle finit par se raidir et en fait sa tête se tourne vers toi et ses grands yeux tout globuleux et fixes qui te regardent droit dans les yeux au moment où elle expire à son dernier souffle. Et le calme retombe dans la rue. Je relâche le couteau. Enfin, je Vous laisse le allez couteau planté, en fait. pouvoir tous me faire un jet de santé mentale. Alors, Pour moi, j'ai rien fait. je n'ai pas bien encaissé la scène. Non. Mais je crois que j'ai surtout été traumatisé. J'ai eu peur par l'immondice de cette femme qui est très âgée et qui est tombée amoureuse d'Andrew pour une raison qu'on ignore encore. C'est plus ça Alors, qui m'a. Bleh. pour Émilie, mais elle est pas très âgée. Émilie, tu ne perds rien. Oswald, toi, tu vas perdre 4 points de santé mentale. Parce que mine de rien, tu viens de tuer quelqu'un. Pas faux. Voilà, tu viens de tuer quelqu'un quasi enfin, presque de sang-froid parce que tu aurais pu. Ah, tu m'as dit clairement que tu lui plantais le poignard dans la clavicule, enfin dans la cage thoracique, en gros, jusqu'à la garde, sachant que le couteau fait pas long, la lame fait presque 30 cm de long. Après, c'était la survie, là. Ah oui. Et Werner, toi tu ne perds que tu vas ne perdre que 2 points. D'accord. Voilà, c'est vraiment vous reprenez un peu vos esprits, vous vous rendez compte un peu de ce qui vient de se passer. Rapidement, que la police arrive, on fouille. Je regarde dans le coffre de la voiture. Dans le coffre de la voiture. Alors, ce que tu vas y trouver, tu vas y trouver une sacoche en cuir, à l'intérieur de laquelle se trouve des couteaux, différents couteaux, différentes tailles, certains crantés, d'autres non, des tenailles. Ouais, quand même. Il y a aussi des comment dire des cordes. Là. Et il y a certains trucs, les cordes, elles ont des taches brunâtres dessus. Les couteaux sont, les lames sont pas très propres. Ça pue un petit peu. D'accord. Bon, je touche à rien, je laisse, c'est horrible. Ok. Et je regarde dans la boîte à gants rapidement de l'auto. Non, il n'y a rien de. D'accord. Rien L'homme au sol fait bien du 46, un colosse, l'homme qui portait la Thompson, c'est. non, c'est. Non, non, c'est. Non, c'est pas lui. D'accord. Il reste une. La femme qui était sur le siège passager avec son fusil de chasse, elle respire encore, très difficilement, mais elle respire encore. Et elle se, par contre, elle est en train de se vider, quoi.
Dis-nous pourquoi vous veniez chercher Andrew et on te sauve. Je lui parle à quelques centimètres du visage, furax, en colère. Elle pousse un petit ricanement alors que... Ouais, vas-y. Vas-y, Émilie. Ouais, j'allais dire en... Comme je l'entends dire ça... Bon, j'ai quand même vérifié si... Si Jennifer respirait. Elle respire toujours, ouais. Et si j'entends ça, je me... Ouais, je vais vers... la grosse femme pour voir si je peux faire un point de compression ou quelque chose comme ça pour essayer de la sauver, si je peux faire un test de premier soin. Oui, tu peux. Tu peux, pas de problème. Ouais, parce que je me dis, c'est peut-être la seule qui va pouvoir faire, si elle survit, qu'on sera pas accusé, quoi. Ah, je crois que j'ai eu l'aide à se vider de son sang. Et ben, c'est une bonne chose. Et ben, écoute, Oswald, tu lui as demandé, et le... En fait, elle pousse une espèce de petit ricanement alors qu'elle a du sang qui commence à écumer au bord de ses lèvres et à couler le long de son menton. Mais dans son petit ricanement, t'arrives juste à entendre Andrew. Andrew, c'était son chéri. Elle a toujours dit qu'il serait à elle. Il devait nous rejoindre. Il allait devenir comme nous, il allait rejoindre sa vraie famille. Et puis elle tout saute encore, elle recrache du sang. Malheureusement, Émilie, toi, tu étais en train d'essayer de lui faire un point de compression entre la graisse de ses bras et tout ça. T'as pas trouvé l'endroit de le point de compression. Et la grosse femme finit par. Finir par expirer en crachant, il y a du sang qui dégouline sur son menton. Bon, et puis vous commencez à entendre des bruits de sirènes de police. Ouais, bah du coup, moi je rentre tranquillement vers Jennifer et je lui mets mon flacon d'eau de Cologne sous le pif pour qu'elle reprenne connaissance. Moi, je vais défaire les liens de Andrew. D'accord, très bien. Et Werner, Moi, je rejoins le groupe. Voilà, essayer de me rassurer, de voir que mes amis, sont toujours en bonne santé. Très bien. Écoutez, je propose qu'on fasse une toute petite ellipse. On était au milieu de la semaine, on était mercredi. C'est le week-end. Vous venez de passer plusieurs jours assez inconfortables dans le sens où vous avez été tous les trois interrogés en long, en large et en travers sur ce qui s'est passé ce soir-là. Ce qui s'est passé aussi, vos liens avec Andrew. Voilà, on vous demande un petit peu. On n'a pas arrêté de vous poser plein de questions, savoir un petit peu ce qui s'était passé, pourquoi. Essayer d'un peu de faire la lumière là-dessus. Ce qui va ressortir de ces interrogatoires, de ce que la police va vous dire, c'est que. Effectivement, la voiture a été bien impliquée dans le passage à tabac de Floyd Tobey. D'ailleurs, vous avez l'agent Trent qui va vous interroger aussi. Hein. Mais aussi, on peut faire le lien avec l'agression du professeur Werner quelques jours plus tôt. Et surtout, grâce à l'histoire de la Ford T verte. Et ça va finir par être raccordé au double meurtre des parents de Kyle d'il y a plusieurs années. De Kyle, d'Andrew ? Oui, les parents d'Andrew. Du père. De Kyle et de sa femme. Excusez-moi. Du coup, vous allez finir par être relâché, hein, puisque là, vous avez.
grâce à vous, Andrew et Jennifer n'ont pas disparu, n'ont pas été. Déjà qu'ils ont été tabassés par les, visiblement par les types, là, pas par le type et peut-être la grosse femme, c'est possible. Par contre, malheureusement, vous allez apprendre que les deux tantes ont été poignardées. En fait, il semblerait que quand vous les avez laissées après le thé, tout comme Émilie se culpabiliser un peu juste après le massacre, hein, ben, il semblerait en fait que, alors que vous les avez laissées là-bas, que Andrew faisait connaissance avec Jennifer, c'est ce que Andrew et Jennifer vont même raconter par la suite, c'est que alors qu'il faisait nuit, les trois là ont débarqué, ont commencé à frapper Jennifer et Andrew. Esther a poignardé les deux tantes, mais complètement froidement, sans aucun mot, sans rien du tout. Hein. Et donc ils ont tabassé les deux pauvres Andrew et Jennifer. Et pendant le peu que Andrew a entendu, Esther en fait a pas arrêté de lui dire que son père est parti, mais que c'est pas grave, elle aurait le fils, et que elle était venue le chercher. Et qu'elle allait l'emmener parce que ce serait bientôt le moment de rejoindre le reste de sa famille, apparemment de sa famille à Esther, qu'il fallait se préparer que c'était bientôt le moment de quitter Innsmouth, et que après une fois qu'ils seraient tous les deux avec le reste de sa famille à elle, ils pourraient vivre heureux tous les deux. Là, complètement dans une espèce de délire. Bon, on comprend qu'il y a un peu, je fais un peu un parallèle avec potentiellement les croyances de Dagon, et que elle voulait peut-être l'initier ou qu'il se sacrifie ou quelque chose comme ça. Je fais clairement ce parallèle avec tout ce que j'ai lu sur Dagon et le fait qu'elle lui a remis un pendentif de Dagon. La question, c'est on détermine bien que c'est elle qui faisait les virements sur les comptes de sa tante et sur le compte d'Andrew. Alors voilà, ça c'est quand le week-end est arrivé, vous avez été relâché après avoir passé une semaine quand même assez compliquée, assez difficile. Dans les jours les semaines qui suivront, vous allez apprendre que effectivement, c'était bel et bien elle qui alimentait le compte en banque d'Andrew. Voilà, c'est pour quelle raison, personne ne saura jamais. Bah, par amour. Hein. Oui, mis à part ça. Mais en tout cas, voilà. Et donc, pourquoi et qui a informé Floyd Tobé de tout ce qui se passait? Et de quoi était-il au courant? Bah ça, pour ça, par contre, c'est un peu le mystère, puisque le pauvre Floyd Tobé, plusieurs semaines après, n'est toujours pas sorti du coma. Et les médecins ont de moins en moins d'espoir qu'il en sorte. Par contre, pour finir sur une note un peu plus positive, ce qui arrive à Andrew et Jennifer, finalement, ça a eu au moins un bon effet. C'est que les deux, après avoir traversé cette épreuve un peu difficile, enfin très difficile, les deux sont restés en contact, amis dans un premier temps, et leur relation finira par quelques semaines plus tard par passer à un peu la vitesse supérieure, puisque les deux vont sortir ensemble tout simplement. Donc ça va passer d'une relation amicale à une relation amoureuse. Exactement. Oui, mais est-ce qu'il va aller aux Jeux Olympiques? Alors ça, c'est un truc... je peux vous le dire. Alors, ça va avoir quand même un gros retentissement dans la presse, cette histoire-là. Puisque ça va sortir, hein, ça, obligatoirement. Du coup, Andrew va se... En fait, il...
il va réussir à être sélectionné pour participer aux Jeux Olympiques. Par contre, les Jeux Olympiques, ce sera que l'année prochaine, mais en tout cas à la fin de l'année scolaire, puisque vous allez tous finir votre année tranquillement, beaucoup plus tranquillement que ça. Alors certainement que vous allez avoir l'esprit un peu hanté par ce qui s'est passé là pendant ces vacances-là. En tout cas, effectivement, il sera bel et bien recruté et participera et sélectionné pour l'équipe olympique. Je vais juste, on va finir sur deux petites choses. J'aimerais juste savoir ce que chacun d'entre vous, comment vous allez finir l'année par rapport à ce qui s'est passé là. Comment vous allez finir votre année scolaire? Est-ce que ça va avoir une incidence sur vous? Comment vous voyez un peu les deux, trois mois qui restent avant la fin de l'année scolaire? Moi, je pense qu'il y a une certaine forme d'amitié qui est née avec Andrew. On se revoit se rencontrer pour la première fois où je me fais maltraiter par les cadors de l'université où il prend ma défense. Et en fait, il prend ma défense. Par la suite, j'ai pris la sienne. Je pense que ça a une belle amitié aînée, clairement. D'accord. Ouais. Peut-être même avec Jennifer aussi, puisque quelque part on l'a aidé indirectement aussi. Moi, je fais pas mal de cauchemars, donc je finis mon année brillamment, hein, comme tout élève assidu qui se respecte. Néanmoins, j'ai des nuits très agitées. Parce que je suis toujours persécuté par ce que m'a dit Armitage, de me dire que la curiosité pouvait mener à sa perte et que bienheureux était l'ignorant. Mais d'un autre côté, le livre auquel il m'a donné accès m'a profondément intrigué. Donc je suis partagé entre cette peur de découvrir et cette envie de découvrir. D'accord. Ok. Émilie? Ouais, moi il y a deux répercussions principales, hein. En plus bien sûr des liens resserrés avec Oswald et Werner. Hein. Parce que bon, moi Andrew je l'aime bien, mais pour moi il est un petit peu. Un peu bené par rapport à. Même s'il est très gentil et qu'il a un grand cœur et tout, Emily, elle le trouve un peu bené par rapport à Oswald et Werner qui étaient vraiment impliqués dans l'action et tout, alors que ça ne les touchait même pas directement. Et elle trouve qu'Andrew, il a juste subi les choses comme ça, sans s'impliquer lui-même. Donc voilà. Elle l'aime bien, mais ce n'est pas du tout la même relation qu'elle a avec Oswald et Werner. D'accord. Et côté études et tout ça, alors déjà professionnellement au niveau de la presse, elle en a profité pour écrire un article genre où elle a pu donner des détails que personne d'autre n'a pu donner et qui est vraiment raconté, vécu de l'intérieur hein, sur ce qui est arrivé, mais sans mettre trop les marches au premier plan, tu vois, elle a transformé ça en tragédie d'une femme qui avait perdu la tête devant ce beau jeune homme, quoi, tu vois. D'accord, ok. C'est peut-être toi qui a fait ressortir, qui a peut-être étalé l'affaire dans la presse. Disons qu'il y a eu un ou deux petits entrefilets avant, le temps que je me remette, mais moi j'ai écrit vraiment le truc solide, hein, tu vois. Ouais, puis de toute façon, au pire, je pense que ton rédac chef a dû profiter du fait que tu étais impliqué dans l'affaire et que effectivement tu as vécu le truc de l'intérieur pour très certainement te demander de sortir, de faire un article plus conséquent que ce qu'il y a pu y avoir dans les autres journaux, puisque il avait l'annonceur d'Arkham avait la chance d'avoir aux premières loges l'une de ses journalistes. Voilà. Ouais. Et j'ai vraiment écrit ça, genre, pour tu vois que les gens soient passionnés, parce que j'ai transformé Esther en psychopathe, mais de l'amour, quoi.
Et puis Jennifer et Andrew en pauvres victimes innocentes et les autres, les acolytes, c'était des mines patibulaires et tout ça, un peu inquiétantes et costauds. Enfin, vraiment, j'ai fait ça genre comme un roman d'action, quoi, un peu, tu vois. Et, d'accord. Et okay. Passionnel, hein, et un truc passionnel, voilà. D'accord, ça marche. Voilà. Et ensuite, côté études d'anthropologie, eh ben, Emily, elle va demander l'autorisation d'aller à la librairie restreinte, à la bibliothèque restreinte, et elle va commencer à étudier au niveau du point de vue anthropologique la particularité des gens d'Innsmouth en s'intéressant déjà à par exemple des familles qui auraient Innsmouth pour vivre à Arkham hein, et les étudier et plus les notes qu'elle peut trouver. Enfin bref, elle prévoit de demander un financement pour étudier ce qu'elle va pour faire une thèse qu'elle va nommer le masque d'Innsmouth. Ok. Ok, bah ça marche, moi ça me va. Et Werner, toi, tu vois comment la fin de l'année ? Bah déjà, dans un premier temps, on va dire les premières semaines, je serais assez traumatisé, disons, par mon environnement au sein de l'université, du moins mon logement universitaire. Je revois toujours cette scène où... Là, je m'étais fait agresser par ces trois individus. Et du coup, je vais déménager un petit peu plus loin dans Arkham, toujours en restant, bien sûr, à proximité de mon lieu de travail. Je vais commencer à faire des cauchemars et petit à petit, pour exorciser toutes ces angoisses, je vais commencer à écrire, rédiger un journal sur ce qui s'est passé. Et je vais essayer de m'intéresser de plus en plus, en effet, à cette population d'Innsmouth et justement par rapport à cela je retrouve régulièrement Emily voilà pour lui faire part de mes recherches, de mes avancées, sachant que elle aussi est intéressée par ces individus. Pour l'instant je ne sais trop quoi en penser. Et quoi qu'il en soit, je garde toujours un œil vigilant et craintif par rapport à ces individus. Et puis sinon, bah je prépare on va dire mes prochaines excursions et recherches en tant que on va dire encadrant d'étudiants pour faire des fouilles archéologiques du côté du Vermont. Oui. Et voilà, donc je prépare aussi cet aspect-là en parallèle. D'accord, ok, très bien. Oui, ça c'est un petit truc que je précise. Emily, t'as entendu effectivement que... tu l'avais déjà entendu puisque même Werner t'en a parlé. Mais effectivement, alors que Werner, lui, c'était le doyen qui lui en a parlé officieusement, officiellement, il y a eu une annonce comme quoi on recrutait quelques étudiants pour aller faire une petite expédition qui mêlerait l'anthropologie et de l'archéologie et de la géologie dans le Vermont. Ça aurait lieu pendant les vacances d'été au mois d'août. Ah bon. Et donc qu'il y avait moyen de postuler pour aller pour participer à tout ça. Je pense que c'est ce que je vais faire, parce que de toute façon, il faut que j'attende la réponse pour mon financement sur le masque d'Innsmouth, donc. Ouais. Ça va passer. Un petit peu de vacances vous ferait du bien. Ok. Et Oswald, toi, ça, tu veux y aller à ce... Vous êtes le bienvenu. Hein. Bah, si le professeur pense que mes compétences sont à la hauteur de ses attentes, avec grand plaisir. Je pense qu'il y a un lien fort qui est né entre nous trois, vu les aventures de ces derniers temps. Donc je pense que nous avons pris l'habitude de nous croiser quasi quotidiennement, j'imagine, nous connaissons bien la vie de chacun.
Donc oui, si à un moment il m'en parle et il me propose de venir, sans aucun problème, je lui viendrai en aide s'il pense que ça peut être le cas. Et puis une virée à la campagne va nous faire le plus grand bien. Hein. Je Bah, pense qu'à l'heure actuelle, il Innsmouth, vaut c'est mieux à la éviter le bord campagne, de hein. mer. Ah bon? Hein. Oui, bonne idée. Je suis d'accord. Ok, très bien. Bah, écoutez, on va finir là-dessus, ce premier scénario. On finit là-dessus. Vous avez fini, voilà, vous avez fini votre année scolaire. L'été, les premiers jours de juillet arrivent. Il reste un mois avant cette expédition dans le Vermont. Donc vous allez avoir un mois à pouvoir vous occuper un peu comme vous voulez, souffler et essayer de vous changer les idées. Donc voilà. Juste pour concernant l'intrigue du scénario, vous avez bon, voilà, c'était pas hyper compliqué. Vous avez trouvé à peu près tout ce qu'il y avait à trouver. Juste quelques tout petits détails. Vous posiez la question, Floyd Tobey. En fait, c'était juste un gros fouille merde qui avait remarqué le train de vie d'Andrew et qui avait commencé à fouiller. Et lui aussi, il avait commencé à mettre son nez dans tout ce qui concernait Innsmouth. Et ce couillon-là, en fait, il est allé même jusqu'à Innsmouth pour aller poser des questions, sauf qu'il l'a pas fait spécialement finement. Ouais. Donc ça a agacé Esther qui est S'en doutait, revenue, mais qui lui a cassé la qu'est-ce gueule. qu'il mettait tellement en joie l'idée de faire chier le monde? Ah oui, ça par contre le but, lui, c'était il pensait juste avoir trouvé un truc, un article, pouvoir faire un article à scandale et tout ça. C'était que la perspective de ça, hein, ça allait pas beaucoup plus loin. Ouais, c'était même pas qu'il était sur un gros coup, quoi. C'était juste, youpi, j'ai eu du flair, j'ai trouvé ma petite embrouille pour bien embêter quelqu'un. Oh, pardon. Ouais, c'est un peu ce. Après, au niveau d'Esther, en fait, effectivement, elle a bel et bien, quand elle était jeune, bel et bien essayé de draguer Son père. le Kyle. Quand Kyle Oui. s'est barré, ils ont découvert que c'était Mario Ortiz et sa mère qui les avait aidés. Donc, ils ont viré Mario et sa mère. Quand sa mère est morte, Mario est revenu. Et effectivement, elle avait été virée de l'ordre de l'église de Dagon. Mario, pareil, il n'avait plus le droit d'y aller, tout ça. Ça, vous aviez découvert, hein, c'était pas. Par contre, Esther, en fait, depuis la mort de Kyle, puisqu'elle les a butés de jalousie, qui s'était mariée avec quelqu'un d'autre et tout. Si je ne peux pas la voir, personne ne l'aura. Voilà, c'est ça. Sauf que quand elle a appris qu'il avait un gamin, bah, en fait, elle s'est dit, bah, je vais attendre. Puis quand il sera plus grand, bah, j'ai pas eu le père, j'aurai le fils. Donc c'est elle qui a Ah bah oui, alimenté on a en bien pognon compris. tout Et le truc, c'est qu'en fait, Esther, depuis même avant le début du scénario, elle avait toujours un de ses acolytes qui surveillait de loin Andrew. C'est pour ça qu'ils étaient au courant ils étaient au courant ils savaient avec qui ils traînaient. Et c'est pour ça que ça attirait beaucoup l'attention, et que Werner s'est fait agresser. C'est que non seulement il s'était rendu compte que vous commenciez à poser des questions, et surtout vous êtes allé à Innsmouth pour poser des questions. Et ça, c'est un truc que peut-être que vous saurez un jour ou pas, j'en sais rien. On a retrouvé Mario horriblement égorgé dans son petit bateau. Bah, en fait, Mario a disparu. On ne sait pas où il est. Étonnant. Donc voilà. Et effectivement, les objets un peu bizarres, c'est bel et bien Esther qui les a déposés par ses acolytes. Et la pauvre Jennifer, en fait, c'était juste une nana un peu paumée qui était éperdument amoureuse d'Andrew depuis des mois et des mois, qui savait pas, qui s'est complètement qui était hyper maladroite pour aborder Andrew. Donc elle a été un petit peu dans l'excès avec ses lettres d'amour enflammées et plus si affinité. Voilà, c'était un peu. Et ce pauvre Andrew, en fait. A fait l'amalgame entre les deux, et pour lui, ça, tout ça venait d'une source unique. Voilà, c'est ça.
pour nous aussi au départ. Ouais, complètement. Oui, complètement. Donc voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le ou en gros, parce que là, vous, vous aviez découvert à peu près l'ensemble de toute le de tout oui, ce qu'il y avait à savoir. Où est passé le monsieur qui chose du 48. Et j'allais y venir. Alors, lui, en fait, il n'est pas mort. En fait, avec le coup de feu qu'a tiré Werner dessus, là, en parlant purement technique, Werner lui a fait perdre 12 points de vie. Ah, il lui en restait encore. Non, mais attends, mais le mec qui faisait du 46, ah non, c'est quand il lui a tiré dessus, dans le couloir, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, d'accord. Et bah celui-là, c'est celui qui ressemblait à l'oncle Fétide. Bah oui. Vous l'avez pas revu. En fait, il a été gravement blessé. Il est peut-être pas mort, mais en tout cas, il a été gravement blessé. C'est pour ça que vous ne l'avez pas vu. Il n'était pas là dans la voiture. Sinon, il aurait été là. Sinon, il aurait été là en plus. Est-ce qu'avec le recul, on arrive à voir le... Il y avait des cartes d'identité sur chacun. Il y avait un lien de parenté entre tous ceux dans la voiture. L'oncle Fétide, Esther, le mec à la Thompson, la grosse dondon. Il y a eu quelques noms. La fille, apparemment, s'appelait Amy Southwick. Celui avec la barbe et le chapeau et la Thompson, Earl Waite. Donc ils étaient leur seul point commun, c'est qu'ils étaient de d'Innsmouth et potentiellement ils avaient ils étaient tous partis du le ils gang vénéraient tous ils vénéraient tous Dagon peut-être. Okay. Et le truc c'est que alors Southwick ça pas par contre Waite et il y avait aussi un autre mec qui s'appelait Gilman. Vous savez que Waite, Gilman, Fisher, Marsh, ça fait partie des grandes familles d'Innsmouth. D'accord. Voilà. Donc voilà, voilà. Et alors petit truc que je vous dis, en fait, ça aurait pu se terminer encore autrement. C'est que normalement, si vous aviez suivi d'une façon X ou Y la voiture, en fait, ils allaient retourner. Dans le quartier où ils ont buté la première fois Kyle et sa femme. Et c'est surtout que là-bas, ils devaient être rejoints par des profonds au bord du Miskatonic qui allait emmener avec eux Andrew et Jennifer. D'accord. Donc petit détail, j'ai complètement oublié. Et ça, pareil, c'est un truc que vous ne saurez probablement jamais, mais bon. En fait, Esther était persuadée que Kyle et son fils Andrew avaient du sang d'hybride dans les veines. Ah oui, d'accord. Elle en était persuadée. Elle pensait que... Ça, c'est elle le dit. Et le truc, c'est que... Elle le dit puisqu'elle dit qu'il avait un grand avenir dans leur... Oui, bah, oui, justement. Enfin, comme ça que j'avais compris la chose. Hein. Du coup, oui. Et en fait, Elle se trompait complètement parce qu'en fait Andrew n'aurait strictement rien du tout. C'est un simple humain. Mais okay. Voilà. Bon, donc on a bien fait de sauter sur la voiture quand même. Ah oui, parce que si vous auriez laissé la voiture passer, on aurait fini plus tôt et parce qu'on n'aurait plus jamais revu ni Andrew ni Jennifer. Si vous aviez suivi la voiture, par contre, il y aurait eu probablement une rencontre au bord du Miskatonic avec des profonds venus chercher Jennifer et Andrew. Alors Andrew, c'était parce que Esther pensait qu'il était hybride. Donc il serait mort. Et non, il serait pas mort. Elle l'aurait emmené. Okay. Elle dans son esprit, c'était un hybride, donc il aurait vécu avec elle. Mais sinon, oui, il serait mort. Il se serait noyé, il se serait pas transformé. Oui, c'est ce que je veux dire. Il se serait noyé. Voilà. Et Jennifer, en fait, ils allaient l'emmener pour l'engrosser, pour refaire des petits profonds, des petits hybrides. Oui, bah oui, ils ont raison. Ah, voilà. Moi, je pensais qu'ils allaient lui attacher des poids aux pieds pour l'offrir en sacrifice à Dagon. Oh, ça aurait pu être dans un deuxième temps, oui, effectivement. Et voilà. En tout cas, elle serait plus fertile. Ça aurait pu finir, autrement et beaucoup plus mal. Là, pour le coup, voilà, ça a été une fin heureuse. Ouais, vous avez eu quelques bons jets là sur la fin de séance.
sur pour la confrontation avec les le gang d'Esther, donc voilà. C'était plutôt cool. J'ai bien cru par contre que Oswald, j'ai bien cru que j'allais être si Bernard n'avait pas réussi à toucher la femme, elle te tirait au fusil chasse de ça allait piquer très 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 fort. Un élève se repose toujours sur les facultés de son professeur. donc voilà. N'est-ce pas, professeur? Vous étiez sûr de votre coup, professeur? Ah oui, évidemment. Vous n'aviez évidemment, pas la main tremblante. J'ai gardé vraiment toute ma concentration pendant ces différents moments jusqu'à cet instant. Je le savais. Eh bien, voyez-vous, je le savais également. Vous avez la même rigueur au tir que la rigueur dans votre enseignement. Et c'est ce qui m'a mis en confiance. Et donc, c'était beau. Et donc, ces personnages-là, on les réutilisera et... Effectivement, le prochain scénar qu'on fera avec ces persos-là, on partira en expédition dans le Vermont. Ah, voilà, on sera alors, bien au calme. Content, professeur. Ah oui, non, parfait. Il n'y a plus de profond, mais il y a d'autres tarés, c'est ça? Oh non, mais il n'y a pas des tarés partout, faut pas croire. Non, on sera bien. C'est juste, bien se passer. C'est scientifique, c'est tout. Ah oui, tout à fait, oui, des petites recherches anthropologiques. Je trouve qu'Emilie, depuis cette aventure-là, a développé un syndrome paranoïaque. En tout cas, voilà. C'est peut-être pas les premières choses bizarres qu'on voit dans sa vie. C'est vrai. Voilà, ces persos-là, on les mettra de côté le temps de faire jusqu'à ce qu'on fasse le prochain scénario. On a quelques autres petits trucs à faire avant. Et je pense que dans la prochaine fois qu'on jouera avec ces personnages-là, il y aura Belette qui nous rejoindra avec son perso de Phyllis, la bouquiniste et bibliothécaire à l'université. Oui, c'est vrai. Voilà. Elle pourra s'appelle Phyllis. Oui, Phyllis Oakley. D'accord. Elle travaille à mi-temps, elle est et bibliothécaire. Je suis désolé, mais à l'université. Et tu dis quoi quand elle s'assoit? Bah tu lui diras. D'accord. <pardon. Ouais. rire> elle est assise, Phyllis. Je suis désolé, c'était trop facile. Surtout pour l'époque. Surtout pour l'époque. Je suis désolé, tu ne répètes pas ce que je viens de dire, d'accord? Mais j'ai ça à l'esprit quand même. Pour moi, son nom rime quand même avec... Bon, bref. Ok, non mais très bien, okay. Intéressant. Donc, la suite de ces aventures de Bernard, Roosevelt et Emily dans le Vermont. Ok, Au niveau des gains de chance, on en gagne un peu ou pas du tout?